Voilà, il y a même des frères qui sont là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont là qu'on n'a pas identifié encore? Kinch, RDC. Est-ce que l'équipe de RDC peut nous faire un signe? Excellent. Et j'ai entendu le Gabon. Est-ce qu'il y a une équipe du Gabon qui est là? Ouais. On vous salue. Vraiment, on est reconnaissante de vous avoir tous et toutes. Je vois qu'il y a des frères et aussi. De l'île Maurice. Et, bah, bien sûr, l'équipe de l'île Maurice. Alors, voilà, l'équipe de l'île Maurice qui est là. Et bien sûr, et nous de qui France. Sommes. Et de France. Et de France, voilà. On salue l'équipe de France. C'est super. Excellent. Le Seigneur est fidèle. Et aujourd'hui, nous avons deux sujets vraiment chauds, des sujets d'actualité que nous avons préparés pour vous. Mais on va commencer avec le premier sujet, n'est-ce pas, Mama Audrey? Oui, on est prêt. On est prêt. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit tour d'horizon, comme d'habitude, bien sûr. Mama Audrey, que tout le monde connaît, qu'on accueille chaleureusement. Et à côté de Mama Audrey, nous avons Mama Janine. Et à côté de Mama Janine, nous avons Mama Marie. Il y a beaucoup de mamas, hein? Et bien sûr, à côté de moi, celle que vous connaissez, notre chroniqueuse, c'est Magali. Et donc, Nadège. Donc voilà, nous allons commencer ce premier sujet, Mama Audrey. Mais comme d'habitude, nous allons passer à la rubrique de Mag. Voilà, tu as introduit quand même le sujet. Le premier sujet, oui, bien sûr. Alors, on l'a introduit depuis quelques temps maintenant, mais nous allons parler de la place ou le rôle de la femme dans son service. On va parler du service de la femme dans l'Église. Amen. Donc, il y a plusieurs questions qui sont associées à ça. Quel est vraiment le service de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la particularité de la femme dans son service? On va essayer de répondre, bien sûr, à toutes ces questions, mais avant tout, on va passer, comme d'habitude, à la rubrique de Mag. Voilà, bah écoutez, on va essayer de définir un petit peu ce que signifie ce service pour le Seigneur. Alors, il faut savoir que dans le milieu évangélique, servir Dieu, c'est vraiment dédier sa vie. Hein, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans les recherches que j'ai faites sur le sujet, Maman Audrey. Ses actions, ses talents, tout ça, ça fait un petit peu partie de ce service. Et ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut inclure tout ce qui est la prière, tout ce qui est l'évangélisation, l'enseignement, le soutien social et diverses activités que la femme peut faire au sein de son assemblée. Alors, il y a des congrégations, Nadège, où les femmes, elles ont beaucoup de mal à se faire une place, Maman Audrey, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, parce que souvent, ce sont les hommes hein, qui servent, et les femmes ont du mal, des fois, à trouver leur place, donc c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours défini dans les assemblées, et par exemple, dans le Nouveau Testament, quand on parle de service, eh bien, ça s'apparente au diaconat. Diaconat, c'est un terme, en fait, qui renvoie au service du chrétien, Nadège. Alors, est-ce que le Seigneur, il a prévu une place pour les femmes? Évidemment, ah. Bien sûr. Et on voit, il y a pas mal d'exemples dans la parole de Dieu où il y a des femmes qui servent le Seigneur, notamment auprès de l'apôtre Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament, et même auprès de Jésus, il y avait énormément de femmes qui l'ont soutenu. Alors, il y a quelques divergences dans l'Église d'aujourd'hui, dans l'Église évangélique d'aujourd'hui. Il y en a qui disent, par exemple, que le leadership féminin, le service féminin doit être très, très limité. Hein, on interdit aux femmes, par exemple, de parler dans les assemblées, elles ont vraiment des rôles très très limités et on interdit à la femme d'enseigner, de prendre autorité sur l'homme et elle doit demeurer dans le silence. Donc ça c'est une première école de pensée. Et l'autre école de pensée qu'on a, eh bien, c'est une permission justement de ce ministère qui permette aux femmes de servir et aussi d'être des femmes leaders comme on peut voir dans la Bible, comme Déborah, Priscille, Phébé, toutes ces femmes, toutes ces figures de femmes qui ont servi le Seigneur. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Maintenant, on va... Tu lances le débat. On lance le débat et je sais que Maman Audrey va pouvoir nous éclairer dessus. Exactement. Et on va voir si la femme doit rester silencieuse. N'est-ce pas, Maman Audrey? Là, déjà, on parle. Donc justement, pour continuer sur le sujet, Maman Janine, nous parlons de la femme et son service dans l'Église. Comment ça se passe au niveau de Kinshasa, RDC? Il faut savoir qu'au niveau de Kinshasa, Nadège, Maman Audrey, le rôle de la femme est souvent méconnu, mais elle a un rôle très très important. On va essayer de détailler un peu dans l'église de Kinshasa quel est le rôle de la femme et comment elle sert, dans quel type d'activité. Et donc il faut savoir que au sein de l'église, les femmes
ce sont elles qui vont permettre le développement de tout ce qui est activité caritative. Hein, ça va être, ça peut aller de organiser des choses pour les enfants, par exemple quand il y a faire des suivis aussi dans les hôpitaux pour les malades, les femmes qui viennent d'accoucher, organiser aussi des collectes pour c'est bon ? Le son ? Oui, rapproche. 1, 2, 1, 2. Organiser des collectes, des offrandes pour assister les femmes qui viennent d'avoir des bébés et tout ce qui va avec. Tu parlais tout à l'heure de la prière. Ouais. Hein, les femmes sont aussi dédiées à la vie de prière. On trouve ce qu'on appelle chez nous des intercesseuses. Elles prient pour l'Église. Elles font tout ce qu'elles ont besoin de faire pour assister l'Église dans la prière. Alors, on trouve aussi des femmes qui vont suivre et accompagner. Donner du soin aux femmes, faire des visites dans les maisons, visiter les nouveaux venus, visiter les personnes qui ne viennent plus et savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et bien souvent, les femmes vont avoir des informations, Maman Audrey, suite à ces visites, que les pasteurs n'ont pas. Donc elles vont avoir des informations, elles vont avoir des confidences, hein, et elles ont un rôle vraiment très très important. Et le souci qui va se poser maintenant au niveau de leur service, je pense que c'est par rapport aux activités liées dans l'église pendant la semaine, où parfois elles ne vont pas pouvoir venir parce qu'elles sont prises, elles sont engagées avec des enfants de bas âge, et ça va faire qu'elles ne vont pas pouvoir tout le temps venir répondre à leur engagement. Mais l'engagement de cœur est là. Mais c'est au niveau de l'absence qu'on va constater qu'elles ne vont pas être là parce que, pour différentes raisons. Alors ces raisons sont souvent liées, je pense que Marie pourra certainement en dire davantage, aux enfants de bas âge, hein, parce que quand on a un enfant de bas âge et qu'on travaille, et ben voilà, on ne peut pas forcément venir aux réunions de la semaine. Quand on a un mari, par exemple, qui est inconverti et qu'on doit prendre soin de lui, parce que souvent les maris n'aiment pas que les femmes soient tout le temps à l'église, hein, tous les jours hein, à l'église, donc elles vont essayer de combiner un peu... les choses, aller le dimanche, aller peut-être une fois, mais pas tout le temps. Et ça, parfois, ça peut poser un problème par rapport aux activités dans l'église dans lesquelles elles sont engagées. Excellent. Donc voilà, on commence à situer un peu le contexte, Maman Audrey. Je vais commencer avant de donner la parole à notre invitée spéciale aujourd'hui, Maman Marie. Ça va être dans un moment. Mais Maman Audrey, après tout ce qu'on a entendu, la première question qu'on a envie de poser, c'est... Qu'est-ce que ça signifie réellement servir le Seigneur ? Est-ce qu'on peut juste placer ça comme une base pour commencer ? Je pense que servir le Seigneur, ce n'est pas obligatoirement relié uniquement aux activités de l'Église. Servir le Seigneur, c'est faire ce que le Seigneur met chez notre cœur. C'est prendre les occasions que le Seigneur nous donne de le servir. Je peux être en train de marcher dans le chemin et je vois une vieille dame qui a de la difficulté de traverser le chemin, et le Seigneur met sur mon cœur de l'aider. Ben, si je vais l'aider, je sers le Seigneur. On ne peut pas juste limiter le service du Seigneur au contexte unique de l'Église. Moi, en ce qui me concerne, si je suis dans le... Hier soir, je rentrais de la Réunion, et j'avais prévu un peu de nourriture au cas où je rencontre un chien malheureux sur la rue, et ben oui, j'en ai trouvé un. Et pour moi, de m'arrêter, j'ai été nourrie à ce chien, et pour moi, j'ai fait ça de tout mon cœur, comme pour le Seigneur. Donc, ce qu'on fait de bon, et ce qui est en réponse à ce qui est dans notre cœur, c'est servir le Seigneur. Mais bien sûr, que ça s'ajoute avec tout ce qui se passe dans l'Église, ça peut être de nettoyer. Faire le ménage. De faire le ménage. Ça peut être de cuire un repas pour mon voisin. Ça peut être de visiter quelqu'un dans sa maison qui ne connaît pas le Seigneur. Ce que le Seigneur me met à cœur, on ne peut pas mettre le service du Seigneur dans une boîte et venir dire, ah ben c'est uniquement ce que je fais dans l'église, ce que le pasteur me demande. Non, au-dessus du pasteur, il y a Jésus. Et ce que Jésus me demande de faire, c'est très important que je puisse le faire et que je sois heureuse de pouvoir le faire. Et ça peut être de donner... de soutenir quelqu'un. Je suis peut-être dans la rue, il y a un malheureux que je croise, et le Seigneur me met à cœur de le soutenir, et je le sers. C'est en obéissance au Seigneur. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
malheureusement, le concept de service est très souvent limité à la situation de l'Église, est très souvent restreint, et alors que le Seigneur, il est plein d'idées, il est plein de son cœur est rempli de plans et de projets, pas pour seulement ceux qu'on connaît, mais pour ceux qu'on ne connaît pas, et il ne faut pas le limiter. Je pense que quand Philippe est allé sur le chemin rejoindre l'eunuque, ce n'était pas dans le contexte de l'Église. Ce n'était pas dans son agenda. Non, et justement, et il ne connaissait pas, le Seigneur l'envoie sur la rue rencontrer un homme à qui il va parler du Seigneur. Ben, c'est pour ça que dans notre propre tête et dans notre propre cœur, on ne doit pas limiter le Seigneur, parce que le Seigneur peut nous utiliser de plusieurs façons, à n'importe quel moment. Et je vais même dire quelque chose qui risque de choquer. Moi, ça m'arrive. Ah bon? Peut-être que je suis en route pour une réunion et sur la route, je rencontre un besoin. Ben, moi, je ne vais pas à la réunion. Hein. Je rencontre ce besoin que le Seigneur a mis devant moi, en priorité. Un peu comme le bon samaritain sur la route. Je me souviens, un jour, on partait à justement une réunion d'évangélisation. Il y avait un accident sur la rue. Et je me suis arrêtée, le monsieur était paumé, c'était un étranger. Je l'ai emmené à la clinique, j'ai pris soin de lui, je me suis occupée de lui. Et 15 ans après, il est revenu à Maurice et il a voulu me parler pour me remercier de ce que j'ai pu faire pour lui. Est-ce qu'il a reconnu le Seigneur? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais pour moi, c'était une priorité à ce moment-là de m'occuper de lui. C'était plus important que d'aller à la réunion. Là, je crois qu'il y a certaines boîtes qui vont sauter, là. Non, mais c'est vrai. Il faut pouvoir répondre aux besoins que le Seigneur met devant nous. Bien sûr qu'on est attaché à nos réunions. Bien sûr qu'on est attaché à aller suivre l'Évangile. Mais il n'y aura pas une mort d'homme. Hein. Si je manque une réunion, personne ne va mourir si je ne suis pas là. Et moi non plus, je ne vais pas mourir. Hein. Donc, je suis dans le Seigneur, je sers le Seigneur. Mais si en route, il y a quelque chose qui est le Seigneur met sur ma route, pour moi, ça devient une priorité. Il faut être flexible. C'est ça. Flexible à ce que le Seigneur met devant nous. C'est ça. Ouais. Finalement, Mama Audrey, c'est simplement obéir au Seigneur. Oui, et obéir l'anglais dit prompting. Promptement. Non, prompting notre cœur. À ce que le Seigneur met sur notre cœur. À quelque chose qui nous pousse de notre cœur. Il y a quelque chose qui nous pousse et un prompting de notre cœur de répondre. Donc, moi, je crois que c'est très important. Puisque le Seigneur ne parle pas dans une grosse voix qui nous dit « arrête-toi et fais ça ». Il nous fait ressentir quelque chose, voilà. Un besoin. Okay. Merci Maman Audrey. Justement, nous avons Maman Marie qui est avec nous et qui va nous partager un petit peu son parcours par rapport justement à ce thème qui est la femme et son service. Donc Maman Marie, comment ça se passe pour vous? Comment ça s'est passé pour vous? Depuis que je suis dans le Seigneur, j'aimais le service du Seigneur, j'aime encore le service et j'aimerais toujours le service du Seigneur. Amen. Et quand j'étais une femme au foyer, je le suis, avec des enfants à bas âge, il arrivait qu'à l'église, j'enseigne les enfants. Et comment je dois m'en sortir pour arriver à concilier cela, les petits enfants? Et l'église des enfants, c'est le matin, à partir de 7h et 8h. Parce qu'à partir de 9h, le culte doit commencer. Et comment concilier? J'ai 3 petits-enfants que j'ai eus en espace de 5 ans. Donc, ils sont tout petits là. Et il arrivait que parfois, après avoir nettoyé l'un, tu te dis que tu as fini avec celui-là, il va encore se boutrer, se vautrer dans la boue. Donc, c'est comme si ce que tu as fait, c'est annulé. Et comment je faisais? Il fallait bâtir des stratégies. Par exemple, je commence par celui, le bébé qui est à 3 mois, parce que lui-là, il ne peut pas bouger, tout ça. Et puis, je commence par celui que les 2 autres-là, je vais les laver presque au même moment pour arriver à terminer ensemble avec eux. Et parfois, il m'arrivait de penser que recommencer, être là demain matin à laver, à brosser les dents, c'était difficile. Pour moi, ça va me prendre encore du temps. Donc, avant d'aller me coucher, je le fais déjà. Ça, une bonne fois pour toutes, je prévois quelque chose.
je prévois quelque chose là-bas que je vais mâcher pour éviter que... Parce que prendre encore le temps de me bosser, ça devrait encore... C'est quelques minutes de perdu. Et c'est ce que je faisais. J'arrivais avec eux. Je faisais le travail du Seigneur le matin. C'est comme ça que j'arrivais à concilier ça. Donc, on voit, Mama Audrey, que ce n'est pas toujours évident pour les femmes qui ont plusieurs casquettes en plus. Elles sont épouses, elles sont mères, elles sont parfois employées ou entrepreneuses, ou elles vont au marché. Il y a différentes situations. Comment est-ce que, justement, comme on entendait Mama Marie, concilier ces différentes vies par rapport à ce qu'on vient d'entendre, qui est servir le Seigneur, c'est d'obéir à ce que le Seigneur met sur notre cœur. La première chose qui me vient... Je ne sais pas, à tête, je dirais à cœur. Je dirais, mais ton mari, il ne t'aide pas? Ben oui, je veux dire, il sait que tu dois servir le Seigneur. Il sait que tu dois servir le Seigneur. Tu vas à une réunion et que tu as trois enfants. C'est aussi ses trois enfants. Ce n'est pas seulement tes trois enfants. Et je pense que les maris devraient s'impliquer à aider leur femme à se préparer et à préparer les enfants pour qu'elles puissent, elles aussi, répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Je crois que les femmes sont d'accord, Mme Audrey. En tout cas, une chose est certaine, c'est le cas de mon mari. Je dois vous dire que je suis toujours en retard. Il est toujours en avance. Mais pour compenser mes retards, il m'aide. S'il faut faire quelque chose de rapide, s'il faut nourrir les chiens rapidement avant qu'on parte, s'il faut fermer les portes, ben il va aider. Et c'est tout à fait naturel. On est une équipe. On n'est pas deux individus. On est une équipe. Et malheureusement, sans critiquer, mais le concept en Afrique, c'est souvent que le mari ne s'implique pas dans les tâches domestiques, alors que c'est totalement le cœur du Seigneur qu'un mari aide sa femme, qu'un mari participe là où il peut, et que ce n'est pas toujours à la femme de masser le pied du mari, c'est aussi au mari de masser le pied de sa femme qui a été debout depuis tôt le matin, qui n'a pas arrêté de travailler jusqu'au soir. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure et comprendre que la culture, c'est une chose, le royaume de Dieu, c'est autre chose. Dans la culture, la femme transporte tout, fait tout, mais dans le royaume de Dieu, non. Ce n'est pas la femme qui transporte un enfant sur son dos, un seau sur sa tête et l'autre un enfant dans la main. Non, le mari transporte le seau sur la tête et éventuellement l'enfant sur le dos, et la femme a la tâche légère, puisque la Bible dit qu'elle est un sexe faible. Elle est un sexe faible. Elle n'a pas la force que le mari a, et c'est totalement naturel et selon le cœur du Seigneur qu'un mari aide sa femme dans tout ce qu'il peut et là où il peut. Et la femme, elle a le droit d'être fatiguée. Y compris dans les tâches ménagères. Mais bien sûr. Mais combien de fois Mickey m'aide Mickey fait la... Moi, j'aime pas trop faire la vaisselle, mais Mickey, de temps en temps, ben, il fait la vaisselle. Si on est là le dimanche soir, qu'il n'y a personne qui était là pour nous aider, ben, il voit qu'il y a des trucs, il fait. Mais sans se plaindre, sans grogner, sans rien. Si on est chez quelqu'un, je dis, Mickey, aide-moi rapidement à faire le lit. Ben, on fait le lit ensemble. Mais il y a... c'est pas comme si qu'il baisse de niveau. Au contraire, quand on sert le Seigneur, on est libre de faire tout ce que le Seigneur met sur notre route, et on est là pour aider notre femme, pour soutenir notre femme et pour faire tout ce qu'on peut pour l'aider, pour la soutenir et la faire ressentir notre cœur pour elle et donner notre vie comme Jésus dit pour elle. Amen. Justement, Mama Audrey, pour nous donner un peu quelques exemples de la parole de Dieu, est-ce qu'on a quelques exemples de femmes dans la parole de Dieu qui ont servi le Seigneur, qu'on peut tenir en modèle? Qui était au tombeau en premier? Les femmes. C'était qui a annoncé la nouvelle à Pierre? Ben, c'était une femme. Dans la chambre haute, ben, il y avait des femmes. On parle de Priscille et d'Aquila. Ben, elles servaient le Seigneur. On parle de Lydie. Lydie qui a exercé l'hospitalité, qui a tout de suite voulu recevoir Paul dans sa maison. Ben, c'est quelque chose de... La place de la femme dans l'Église est extraordinaire, puisque la femme a un cœur extraordinaire. Maman Janine parlait tout à l'heure que les femmes ont plus tendance à se confier aux sœurs qui les visitent.
Mais c'est tout à fait naturel, puisque quand les sœurs visitent les sœurs, elles se sentent plus à l'aise de parler de la situation intime, de la situation particulière, et qu'elles n'osent pas, elles n'oseraient peut-être pas parler au pasteur. Mais la femme, je crois, elle est... On dit, il y a un thème qui dit « bonne à tout faire », en parlant d'employé. Mais la femme est bonne à tout faire. Elle fait tout bien. Elle aide les enfants, elle prend soin, elle fait la cuisine, elle a un cœur pour les vieux, elle a les yeux, elle voit rapidement les besoins. La femme est, on dit, multitask. Elle est capable de faire... Multitâche. Multitâche. Et ça, c'est un don du Seigneur. Et il ne faut pas limiter ces femmes, il faut les laisser. Il faut les laisser servir le Seigneur. Il faut qu'elles puissent se sentir libres de faire ce que leur cœur leur demande de faire. Et ne pas avoir une autorité dure et qui ne comprend pas ce qu'elles veulent vivre. Donc, pour moi, la femme, elle est, du reste, elle est une pièce clé de l'Église. Et elle vit aussi des choses personnelles avec le Seigneur qu'elle peut partager. Ben, bien sûr, elles ont un témoignage, elles vivent des choses, elles entendent la voix du Seigneur, elles peuvent parler, mais encore une fois, on ne va pas parler de ça ici, c'est juste une question d'autorité qu'il faut faire attention et ne pas s'ingérer dans un domaine où le Seigneur ne nous équipe pas et ne nous appelle pas. Justement, Maman Audrey, tu me fais une transition toute préparée pour ma prochaine question. On a entendu Magali tout à l'heure qui disait qu'il y a une école de pensée comme quoi la femme doit se taire dans les assemblées, elle doit rester tranquille. Si elle a des questions, comme c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans la parole, elle doit rester silencieuse. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, du coup, est-ce qu'on a parlé que la femme était multitâche, qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des limitations que la parole de Dieu donne à la femme par rapport à ce qu'elle peut faire ou à ce qu'elle ne peut pas faire? Enfin, je crois que c'est principalement une question d'autorité. Avant de parler des dons de l'esprit, les dons de l'esprit, c'est pour les femmes comme pour les hommes. Mais si une femme a un don de prophétie, comment est-ce qu'elle va se taire? Elle doit pouvoir parler de ce que le Seigneur a mis sur son cœur, mais dans l'ordre, dans le bon esprit, à sa place. Pas venir là et prendre autorité chez les hommes qui sont là, c'est pas le but. Mais la femme, elle peut avoir une parole d'encouragement, elle peut avoir une révélation, elle peut avoir un don de l'esprit, elle peut servir le Seigneur, elle peut partager une expérience, on peut avoir une réunion, on peut dire à quelqu'un qui a vécu quelque chose de spécial avec le Seigneur cette semaine-ci, et une sœur a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais bien sûr qu'elle peut venir partager ce qu'elle a vécu, partager son témoignage, partager comment elle a pu partager l'évangile avec quelqu'un, emmener quelqu'un au Seigneur, prier pour quelqu'un qui a été guéri, peu importe quoi. Mais je crois que le point important dans tout ça, c'est la question d'autorité. Que la femme... Elle ne peut pas se mettre au-dessus de son mari ou au-dessus des hommes en matière d'autorité. Il y a un ordre que Dieu a établi dans l'Église. Si elle est à sa place, il n'y a aucun souci qu'elle puisse faire ce que le Seigneur met sur son cœur, aussi longtemps que c'est dans l'ordre et que ça ne dérange rien et que ça va avec le flot de l'esprit. Donc finalement... Oui ou non? Ça descend. Donc, oui, voilà. Comment il avait dit le pasteur Mickey, on boit de l'eau, c'est ça, pour que ça descende. Mais justement, Maman Audrey, on parle de la femme dans sa maison. On parlait de ça tout à l'heure, que elle peut ce qu'elle fait dans la maison, c'est aussi le service du Seigneur, finalement. Donc, si on a dit qu'elle fait... Moi, je crois que peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans notre maison, dans la rue, si on le fait avec un cœur qui plaît au Seigneur. Tu sais, parfois, je peux me lever et n'avoir aucune envie de laver le linge. Ah, Seigneur, ok, tu sais quoi, Seigneur, je fais ça de tout mon cœur. Je change mon attitude, je vais faire de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, je sers le Seigneur. Mais je peux passer le balai chez moi et regimber à l'intérieur de mon cœur. Je peux passer le balai dans l'église, dans le bâtiment, et regimber. On ne sert pas le Seigneur quand on fait ça. Quand tu dis regimber, c'est quelque part grogner, se plaindre, murmurer. C'est pas que je n'admire pas, j'aime pas ce que je fais, mais je fais pas ce qu'on m'a dit de faire. Mais j'ai pas une attitude dans mon cœur qui convient au Seigneur. Donc je crois qu'il faut rejoindre, servir le Seigneur avec l'attitude que nous avons dans ce que nous faisons,
et le fait que le Seigneur nous demande aussi de faire cette chose. Donc, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, comme je disais tout à l'heure, ça peut être n'importe quoi. Bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui me dit, ah ben, j'ai une voiture, et quelqu'un me dit, ah ben, rends-moi un service aujourd'hui, emmène-moi chez le médecin. Et moi, j'avais une question aussi à poser à Maman Audrey. C'est vrai que des fois aussi, quand on parle de service, en tout cas dans ce que j'ai pu lire et aussi dans la conception, la perception générale en Afrique, on parle toujours de ministère. Hein, les femmes, servir, c'est forcément être dans le ministère. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Parce que souvent, quand on parle de service, les femmes pensent que c'est être pasteur ou être vraiment dans un ministère. Bon, on ne va pas parler du ministère de la femme, parce que c'est un sujet très en lui-même. Ouais. Mais non, servir le Seigneur, ce n'est certainement pas uniquement un ministère. C'est n'importe quoi de ce qu'on fait qui convient au Seigneur et que le Seigneur nous appelle à faire. Et comme je dis, dans l'attitude qui nous convient. Comme je disais, si quelqu'un me téléphone, me dit, écoute, je dois aller absolument chez le médecin, est-ce que tu peux m'emmener ? Ben, je peux réagir à posario, j'avais quelque chose d'autre à faire, ou je peux réagir, mais ben oui, avec plaisir, je fais ça de tout mon cœur, ben je sers le Seigneur. Voilà. De servir le Seigneur, c'est quelque chose de pas compliqué. Ouais. C'est pas quelque chose uniquement de spirituel. Voilà, c'est pas uniquement quelque chose qui est attaché au service de l'Église. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus vaste que ça. Puisqu'il y a des femmes qui ne sont pas dans le ministère, voilà. qui ne sont pas dans un poste, je dirais, de responsabilité dans l'Église, mais qui servent le Seigneur toute la journée. Ouais. Et qui font beaucoup de choses et qui servent le Seigneur, mais peut-être dans le silence, sans que beaucoup de personnes le sachent, mais n'empêche que dans leur cœur, la Bible dit qu'il y avait la prophétesse Anne, je crois, juste à l'époque de Jésus, elle servait le Seigneur toute la journée dans le jeûne et la prière. Ouais. Personne ne savait, elle servait le Seigneur de cette façon. Donc, il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. On ne peut pas mettre le Seigneur dans une boîte, mais le Seigneur n'est pas limité à nous demander d'être ses mains, d'être ses yeux, d'être ses pieds et d'être son cœur. Ouais. C'est ça, servir le Seigneur, pour moi. Maman Janine voulait rebondir. Oui, c'était juste par rapport, Maman Audrey, aux femmes qui ne sont pas forcément disponibles parce qu'elles sont dans leur occupation, hein, ménagère, professionnelle, etc. Mais c'est vrai qu'on peut, comme tu disais tout à l'heure, trouver... Elles vont aider, elles vont participer. Maintenant. Elles ne peuvent pas s'engager, elles sont disponibles. Voilà. Et ça, il y a toute une catégorie de sœurs qui sont vraiment disponibles et qui font vraiment des choses extraordinaires et sur qui vraiment on peut compter sans pour autant qu'elles soient engagées. Après, il y a aussi certainement aussi une autre catégorie de personnes qui vont peut-être ne pas être disponibles, mais se cacher aussi derrière parfois... et ne pas laisser la culture vous garder dans une boîte. Vous avez le droit de faire que ça, 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 et ça, c'est à vous à faire. Réaliser que le Seigneur n'est pas limité et que le Seigneur voit en vous un potentiel. Pour partager de son amour, parler de lui, pour le servir de la manière que lui, il conçoit. En vous toutes, un grand potentiel. Pour le servir et pour répondre aux désirs de votre cœur. N'étouffez pas les désirs de votre cœur. Ne vous croyez pas incapable. Ne vous limitez pas dans votre manière de vous voir vous-même, mais... allons essayer de se voir avec les yeux du Seigneur, de voir le potentiel que Dieu voit en vous et qu'est-ce qu'il veut faire avec vous et qu'est-ce qu'il veut faire de vous. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut changer drastiquement la vie d'une sœur. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci les sœurs. Armée aussi du Seigneur. Amen. Nous sommes prêtes à servir dans cet état de cœur que Maman Audrey nous a partagé. Et justement, pour continuer, nous avons une session de questions-réponses. Donc, je vais vraiment vous encourager. Si vous avez des questions, alors, au niveau du micro, oui. Ce serait bon de lever les mains en premier. Voilà, si donc, questions. Toutes celles... On va répondre à 5 questions. Oui, oui, oui.
toutes celles qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de partager, là, le sujet de la place de la femme, n'hésitez pas. Un plaisir de répondre. Donc, alors, qui a une première question? Il y aurait quelqu'un qui aurait une question? Une première question. Il y a une première question. Je suis mariée, très engagée dans le service de Dieu. Je rencontre les difficultés dans mon foyer. Parce que je sais trop Dieu et je ne parle que Dieu, Dieu, Dieu. Et lui, ça le dérange. Et si je suis, avec lui toujours parler Dieu et qu'il soit là, je ne pourrais pas servir mon Dieu. Je dois choisir entre Dieu et lui. Ah bon. Alors là, c'est un choix. C'est un dilemme. Je crois que Pierre a déjà répondu à ce choix, à cette question. Il a dit, en Dieu et les hommes, on choisit Dieu. Mais il faut aussi être sage. Tu ne peux pas le tartiner toute la journée avec Dieu, 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 si pour l'instant, il ne veut pas trop entendre Dieu. Tu peux, toi, faire tes choix. Tu n'as pas besoin de parler tout seul à haute voix. Tu peux te dire des choses dans ton cœur et tu n'as pas besoin de le mitrailler toute la journée avec Dieu et Dieu et les paroles de la Bible et les versets. Ce n'est pas la peine, puisque tu vas le bloquer plutôt qu'autre chose. Et dans tes activités, je crois que tu dois être aussi sensible. Tu ne peux pas tous les jours quitter ton mari toute la journée et faire que le service du Seigneur. Tu as des responsabilités dans ta maison, tu as des responsabilités vis-à-vis de ton mari. Il faut être sage. Il y a des réunions importantes où tu sais que tu dois aller, ben tu dois aller. Mais s'il y a des trucs qui ne sont pas tellement importants et que tu sens que ta place, c'est mieux, que tu restes avec ton mari. Il fait quoi ton mari? Il regarde la télévision? Il regarde le sport? Il fait quoi? Toute la journée et la nuit et le soir. Ah ben c'est ça, mais quand on est à la maison, il fait quoi? Il voit la télévision, il fait quoi? Que tu peux faire avec lui? Pas grand-chose. Hein? Ah ben voilà, il regarde. Une fois le temps, tu peux rester voir la télévision avec lui. Je veux dire, c'est pas un drame. Tu peux attraper sa main près du fauteuil, et c'est OK. Mais tu dois être sensible. Moi, je crois que tu dois être sensible. Tu dois pouvoir éliminer certaines activités qui ne sont pas essentielles où tu pas obligatoirement d'être là, parce que tu dois considérer ton mari et quand même prier pour lui, faire confiance au Seigneur, que le Seigneur va finir par gagner son cœur. Mais il faut un équilibre. Tu ne peux pas le laisser toute la journée, négliger tes tâches à la maison, ne rien faire à la maison. Non, ce n'est pas possible. Il faut une sagesse dedans. Et je crois que le Seigneur est assez grand pour te conduire, pour te dire aujourd'hui non, tu restes. Tu vas rester tranquille. Il te dit, par contre, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Super. Amen. Ça répond à ta question, ma sœur? Super, merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre question, juste là. Voilà, ma sœur, si vous pouvez vous lever, vous présenter et poser votre question. Merci. Je me nomme Maman Odette. Je viens de Kinshasa. Je voulais parler selon ce que Maman Audrey a dit, qu'elle est peut-être en route et elle voit un besoin devant elle. Elle doit s'occuper de cela. Bon, selon moi, Maman Janine connaît moi, j'assume un peu des responsabilités au sein de l'église, réunion des sœurs. Bon. Dans ce moment-là, peut-être je suis en route vers l'église pour tenir une réunion et que je trouve un besoin en cours de route. Que dois-je faire en ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Tu pars en rapport à ta responsabilité. Oui. Tu as un téléphone? Oui. Ben alors, tu téléphones à Maman Janine. Tu lui dis, écoute, Maman Janine, j'aurai un retard. Il y a une situation devant moi et je sens que le Seigneur me demande d'être là. Mais si de prévenir les sœurs, que j'arriverai avec du retard. C'est... Si j'étais déjà alignée pour ce moment-là. Ben, écoute, ça dépend de l'urgence. Si c'est juste un monsieur qui a une panne de bicyclette, bon, c'est pas grave. Mais si ça dépend vraiment de l'urgence de la situation.
il se peut que ce soit quelqu'un qui a eu un accident et tu peux lui parler du Seigneur. C'est plus important que d'animer la réunion. Il est prêt de partir, lui. Il a besoin d'entendre le salut. Ben, c'est plus important que tu lui parles de Jésus et que tu emmènes au Seigneur que les sœurs, que ce que tu vas dire aux sœurs ce jour-là va peut-être les aider, les encourager. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Donc, c'est à toi de juger l'importance et l'urgence de la situation. Si ce n'est pas toi qui vas partager, je suis sûre que les sœurs peuvent très bien se débrouiller sans toi. Hein. Elles vont partager un témoignage, elles vont s'encourager. C'est pas la fin du monde. Hein. Faut pas croire que comme si sans nous rien ne continue. Non, moi je crois que ça dépend de l'urgence de la situation. Si tu dois parler du Seigneur à cet homme ou à cette femme ou à cet enfant ou peu importe quelle situation est devant toi, c'est à toi de juger l'urgence par rapport à l'importance de ta présence à cette réunion. Mais si entre-temps tu peux déjà t'excuser, c'est génial. Moi, je crois que bien souvent, il se peut que tu n'ailles pas à la réunion et que des choses se passent différemment et que ça se passe très bien et peut-être mieux que si tu étais là. Merci, maman. Sans vouloir t'offenser, hein, je veux dire, ça s'applique à moi autant. Hein. Super, merci beaucoup. Merci. On a une autre question là-bas, en vert. Voilà, merci. Merci, bonjour. Je suis la sœur Grace de Brazzaville. Et j'ai souvent eu dans mon cœur vraiment de la peine pour certaines sœurs, et maman Marie le sait, parce qu'on a déjà discuté plusieurs fois. Je me dis, comment est-ce que ces sœurs qui sont très occupées avant au marché, par exemple, et elles vendent, et vous constatez qu'elles n'ont pas assez de moyens. Certainement, il faut qu'elles vendent, qu'elles trouvent quelque chose pour contribuer au foyer. Et comment est-ce qu'elle peut faire pour servir le Seigneur dans ces genres de conditions? Quand j'ai compris maman Audrey, je me dis, est-ce que c'est en vendant qu'elle est en train de servir le Seigneur? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Parce que le Seigneur aussi a besoin d'elle. Merci. Oui, alors, si je comprends bien ma sœur, c'est par rapport à son travail au marché. Est-ce que son travail qui prend vraiment beaucoup de son temps, Comment est-ce qu'elle peut servir avec ce travail qui l'occupe beaucoup? Exactement. C'est ça. Et est-ce que vendre au marché, c'est servir aussi quelque part? Ben je pense qu'au marché, elle peut avoir beaucoup d'occasions de parler de Jésus. Ça peut être un moment extraordinaire pour elle d'être gentille, de sourire. D'être un témoignage. D'être agréable. Et peut-être parfois, quelqu'un va l'acheter et va dire, écoute, le Seigneur lui dit, ben, donne son cadeau. Alors, ah, écoute, tu sais, je vous donne un petit exemple tout bête. J'étais avant-hier à un supermarché en France, à Paris, et j'entendais un enfant pleurer. Un enfant qui pleurait, et je me dis, j'aime pas entendre les enfants pleurer, parce qu'on ne sait jamais pourquoi ils pleurent. Parfois, c'est un caprice, mais parfois, c'est quelque chose de bête qu'ils essayent de communiquer et qu'on ne comprend pas. Donc, je me suis arrêtée, et j'ai vu une dame, je lui ai dit, mon chéri, pourquoi tu pleures? Et l'enfant, il veut se blottir dans les jupes de sa maman. Elle m'a dit, elle veut une brosse à tête. Je lui ai dit, mais... Une brosse pour les cheveux. Oui. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Elle m'a dit, mais là, ce n'est pas possible. J'ai fini de comprendre qu'elle n'avait pas les sous pour ça. Je lui ai dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, mais moi, je veux bien offrir la brosse à cheveux à ta fille. Elle me dit, mais non. Enfin... Ça a duré 10 minutes, c'était non, c'était oui, c'était moi, je disais oui, elle disait non, je disais oui, je disais écoute, arrête, ça me fait plaisir de donner cette brosse à tête à ton enfant, l'argent, je m'en moque, je suis très heureuse de pouvoir m'en servir pour bénir ta petite fille, allons-y. Alors, j'ai même pas eu l'occasion, j'ai pris la main de la petite fille, j'ai dit on y va ma chérie, montre-moi où est la brosse. Ben, de tout cœur. J'ai pu bénir la petite fille, c'était amusant, puisqu'il y avait une Africaine qui était là. Et après avoir acheté la brosse, j'ai dit, et ta sœur? La sœur aussi voulait quelque chose, j'ai dit, choisis ta brosse toi aussi. Après, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux d'autre? Et là, la dame dit, non, ça suffit. Il y avait une dame africaine qui était à côté, elle dit, madame, si on doit vous donner, il ne faut pas refuser, hein, la dame africaine. Et donc, elle est restée toute tranquille, et il me semble qu'elle était une juive. Je crois qu'elle était une juive. Je lui dis, tu sais, tu n'as rien à me remercier, tu remercies Jésus. Puisque Jésus, il t'aime, il est mort pour toi, et il aime tes petites filles, et il veut les bénir.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'était une joie de pouvoir sortir de ma route et d'acheter les petites brosses pour les petits. Ça m'a coûté 10 euros. Je veux dire, je suis venue ni plus pauvre ni plus riche, mais j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir le faire. Et les petites filles ont arrêté de pleurer. Elles étaient contentes avec la petite brosse, avec la petite barrette. Elles sont parties. Il n'y a plus de pleurs. Ben pour moi, ça suffisait. Donc, cette dame qui sert au marché, elle a plusieurs occasions de servir le Seigneur. Elle peut bénir les gens, elle peut parler du Seigneur, elle peut voir quelqu'un qui est déprimé, qui vient là, qui est triste, et elle dit, écoute, madame, pourquoi est-ce que vous êtes triste aujourd'hui? Ben, elle a des super occasions que vous et moi, nous n'avons pas. Donc, avec du citron, on fait du jus. Oui? Et il faut se servir de ces occasions et des opportunités qu'on a et qu'on convertit ces occasions dans un moyen de servir le Seigneur et de parler de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Ah, elle veut préciser quelque chose. Cependant, parfois, on a bien besoin de ses sœurs au milieu de nous à l'église. Oui, mais ma sœur, qu'est-ce que je veux te dire? Tu vas te servir d'autres sœurs. Chacun est à amen. Sa place. On ne peut pas... Tout le monde peut être au four et au moulin. Il y a d'autres sœurs qui peuvent être disponibles. Et là où tu n'as pas des sœurs, tu fais toi et la sœur Marie, vous faites. Voilà. La sœur Marie veut rebondir. Merci beaucoup, merci. Non, il y a aussi que... Je crois qu'on doit aussi dissocier le service qu'on peut rendre à l'église et ce service qu'on peut faire... dans la société, n'importe où. Et j'ai toujours dit, par exemple, que du matin, bon, on se réveille, on compte à partir de 6 heures, par exemple, jusqu'à 17 heures. On avait tout ce temps-là ailleurs. Et s'il y a une réunion qui est programmée, par exemple, à 17 heures jusqu'à 18h30, est-ce que c'est toujours normal qu'on ne soit pas là? Parce qu'on avait servi le Seigneur ailleurs ou bien... Non, on ne peut pas dire que c'est normal. On est humain. Si j'ai travaillé de 7h du matin à 5h, je suis rentrée chez moi, j'ai mes enfants, il me faut cuire, il me faut prendre soin de ma maison, ben, c'est sûr que c'est difficile pour moi de quitter tout ça pour aller à une réunion. Il faut comprendre les réalités de la vie d'une personne, ce qu'elle peut, ce qu'elle ne peut pas. Je ne dis pas qu'elle se serve d'un prétexte, que ce soit une excuse. Je ne dis pas que je ne parle pas d'une excuse. Si c'est une excuse, tu n'as rien perdu puisqu'elle ne veut pas venir, cette sœur. Et tu ne peux pas la forcer. Il faut que le désir vienne dans son cœur et qu'elle veuille faire le pas et le sacrifice que ça demande. Mais on ne peut pas non plus mettre une loi sur cette sœur et lui dire, ah ben, il te faut quand même venir à cette réunion, alors qu'il faut prendre en considération la réalité de sa vie. Et que c'est peut-être pas du tout une excuse, mais c'est peut-être une réalité. Elle a peut-être un mari inconverti qui ne veut pas qu'elle aille, qu'elle ne peut pas négliger ses enfants, elle a des luttes chez elle, on ne sait pas la réalité. On ne peut pas dire à tous les gens de 12 ans, tu portes des chaussures de taille 36. On ne peut pas mettre une règle sur les gens. Il faut faire très attention que ceux qui viennent et qui servent le font de leur cœur. Et surtout pas par obligation, et par imposition, et parce que c'est demandé. Et c'est exigé et c'est attendu. Il faut faire très attention que celles qui servent le Seigneur servent de tout leur cœur et pas parce qu'il y a une attente, une pression, une demande sur la vie et une loi. Amen. Amen, les sœurs. Amen, amen. Est-ce qu'on a encore une dernière? Là, on va prendre une dernière question. J'ai cru voir une main. Oui, voilà, une main levée là-bas. Merci. Mes mains levées. Bonjour, je suis la sœur Gaëlle Doma du Congo-Brazzaville. Je vais toujours dans la continuité de la question de la sœur Grâce. Moi, je suis coordinatrice du département de la femme au sein de mon église. Il se pose souvent un problème d'absentéisme des sœurs. Vous l'avez signifié, c'est justifié. Hein, il y a des gens qui sont... Parce que dans le département, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des étudiants... Il y a des femmes qui travaillent, soit à la fonction publique, soit au privé. Il y a des femmes commerçantes qui exercent une activité et tout. Et souvent, lorsqu'il y a des réunions, des jours de réunion,
on constate qu'il y a peu de femmes qui répondent au rendez-vous du département. Oui, on a dit que c'est justifié, mais est-ce que c'est motif enfin, l'absence ou l'absentéisme est justifié parce qu'il y a des femmes qui on peut pas faire le boulot parce que on dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César, hein, parce que chaque fin du mois on a un dû, on a le salaire. Mais ces femmes qui ne répondent pas parce que c'est justifié, parce qu'ils vont au boulot, parce qu'il faut aller, il faut vendre au marché pour assurer, comme on dit, le pain quotidien. Mais quand on se retrouve à l'église avec deux ou trois personnes, on ne peut pas mettre en branle, comme on dit, le programme d'activité vraiment du département. Mais non, en ce moment-là, est-ce que ce n'est pas une culpabilité de notre part? On se dit, bon, on ne va pas travailler pour l'avancement de l'œuvre. Trop de femmes s'abstendent, c'est justifié. Mais comment faire alors? Ben écoute, redis-moi ton nom. Comment? Ton nom? Ton prénom. Gaëlle. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un de venir à l'église? Tu ne peux pas forcer quelqu'un de venir à une réunion, malheureusement. Il faut que quelque chose se passe dans le cœur des gens. Il faut que l'évangile qu'ils entendent puisse déclencher quelque chose dans leur cœur qui fait qu'elles veulent être là et qu'elles veulent servir. Tu vois, qu'elles veulent servir. Mais on ne peut pas, malheureusement, imposer et forcer. Nous, à l'île Maurice, par exemple, je me souviens qu'en les années 82, quand on faisait un appel pour la prière, on avait peut-être 100 personnes, 80% de l'église. Mais c'est une situation très particulière. Il y avait un mouvement extraordinaire d'esprit. Il y avait du chômage, les gens étaient libres. Il n'y avait pas les circonstances qu'il y a aujourd'hui. Le transport, les distances, les complications, le trafic. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup d'éléments qui font que ça complique. Ça complique. Moi, je me souviens que dans Covid, quand on faisait les réunions en ligne, ben, il y avait beaucoup plus de gens que quand on faisait en présentiel. Les réunions de prière. Parce qu'il y a des raisons, il y a beaucoup d'excuses, oui, mais il y a des raisons qui sont vraies. Donc, je réalise que tu veux... mais il ne faut pas que ton plan soit au-delà de la réalité. Tu comprends? Si dans ton zèle pour le Seigneur, tu fais un plan où tu as besoin de 50 personnes, mais que la réalité, c'est que tu as 10. Commence à faire ton plan avec les 10. Commence à faire un plan par rapport aux 10 personnes qui sont disposées, qui sont là. Elles vont témoigner de ce qui se passe. Ça va mettre un engouement. Les gens vont vouloir se joindre, vont vouloir vivre. Mais parfois aussi, les activités sont tellement centrées sur l'église que ça perd un peu l'excitation, si tu veux. Tu vois, je te donne une petite idée. À l'île Maurice, une fois tous les trois mois, on fait une activité où on invite les aînés d'une région de l'île à rencontrer une autre région de l'île, mais on fait ça dans un cadre ludique où ils visitent un musée, où elles vont apprendre le chemin du sucre ou je ne sais pas quoi. Mais on est rempli de gens. Puisque c'est quelque chose qui leur fait du bien, ils veulent faire, mais si tu vas dire la même chose pour venir aller partager l'évangile dans la rue, je n'aurai pas autant de gens. Tu comprends? C'est différent. C'est différent. Il y a différentes personnes qui sont axées, qui vont venir tout de suite pour partager l'évangile dans la rue, qui vont venir tout de suite pour aller visiter les malades, mais ça dépend de l'activité que tu leur proposes. Tu vois? Il y a bien souvent trop de routine, ça dépend de l'activité, et il ne faut pas que ton activité vise là, si pour l'instant, ton effectif, c'est là. Il faut une réalité aussi. Amen. Je n'excuse pas les sœurs qui ne viennent pas. Je suis sûre que toi, tu veux vraiment faire quelque chose de bien. Mais il y a une réalité qui est là et qu'il faut accepter. Amen. Ah, je vois qu'on a une dernière question. Il y en a là-bas aussi. Ah. En fait, il y a deux questions. Si vous pouvez vous présenter et dire d'où vous venez. C'est le berger Maxime. Je suis de Pointe-Noire. Et je voulais savoir
Selon l'époque de Jésus, quand Jésus enseignait la parole de Dieu, il partait dans beaucoup de contrées. Mais il y avait des femmes et des hommes et des enfants aussi qui les suivaient. Ils les suivaient dans tous les lieux. Ils abandonnaient leur maison, leur foyer, leur travail. Ils les suivaient. Mais la question que je voulais poser, pourquoi, même quand les disciples ont voulu remettre, renvoyer le peuple dans leur maison, ça n'a pas dérangé le Seigneur. Au contraire, il les a encouragés de demeurer, de continuer à suivre les enseignements que Jésus leur donnait. Pourquoi Jésus ne pouvait pas aussi leur dire, bon, mais vous avez aussi des besoins, vous avez du travail, vous avez ceci et cela, il faut repartir. Mais je crois que le Seigneur veut aussi encourager les femmes aussi de prendre, ou les hommes, de prendre tout un temps de donner aussi au Seigneur. Cela aussi montre que et ils ont soif et le désir de suivre le Seigneur. Ça aussi, c'est l'idée de questions que Je peux répondre? Oui. Je trouve ça une super question. Premièrement, Jésus était là pour un temps très précis, il n'était là que pour 3 ans. Il avait un message de Dieu à délivrer. Il n'était pas question de renvoyer personne chez lui, parce que les personnes avaient besoin d'entendre ce que le Seigneur transportait. Mais aujourd'hui, l'évangile que beaucoup de pasteurs prêchent n'est pas l'évangile de Jésus, ne transporte pas le cœur du Seigneur. Et les femmes ne sont pas attirées à entendre cet évangile. Les femmes cherchent une réalité, elles cherchent des modèles, elles cherchent des gens qui devant elles, non seulement prêchent, mais comme le frère Mickey dit, vivent ce qu'ils prêchent. Et qui sont un modèle, un exemple. Moi, je sais que si je sais que je vais à une réunion et que j'entends un évangile qui va vraiment remuer mon cœur et me attester à mon cœur, je vais tout faire pour y aller. Mais à un moment donné, il y a tellement de lois, tellement d'attentes, tellement de pressions qui sont mises sur les femmes qu'elles n'ont plus aucune intention, aucun désir. Elles viennent parce qu'elles font venir le dimanche, elles font acte de présence, mais en dehors de ça, malheureusement, les pasteurs, ils ne sont pas Jésus. Si c'était Jésus qui était là, je peux vous assurer que si Jésus était à une réunion et qu'on ressentait son cœur et sa présence et vous dites à ces femmes, elles quitteraient tout pour venir au pied de Jésus. Amen. Elles quitteraient tout. Mais malheureusement, cette présence n'est pas là comme elle devrait être. Le message qu'elles entendent n'est pas toujours celui que Jésus aurait voulu qu'elles entendent. Le cœur du Seigneur n'est souvent pas présent dans l'Église. Il y a une demande énorme par rapport aux finances et une attente chez les gens. Et cela, bien souvent, décourage, mais ne révèle pas en aucunement un désintéressement ou un manque d'amour, je pense, des sœurs pour le Seigneur. Parce que moi, je crois vraiment que les sœurs, elles aiment Jésus. Amen, amen. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et vraiment, si Jésus était là, moi, je n'aurais même pas su si ma maison était en feu ou soit j'aurais été là les 3 jours, là, je serais resté là sans manger, je n'aurais pas eu de problème. Qui sait qu'il y aurait eu un problème d'être au pied de Jésus? Mais on ne va pas comparer l'Église aujourd'hui et la présence de Jésus à Jérusalem, en Israël. Mais n'empêche que je crois que le temps va venir quand même avec la restauration de l'Évangile où la sœur va vouloir s'organiser parce qu'elle ne va pas vouloir perdre ou manquer de ce qui se passe. J'ai voyagé dans l'avion avec une dame à côté de moi, une dame de Kinshasa. Et c'était une coïncidence, je suis à côté d'elle, et quand j'ai parlé que mon mari était pasteur, et j'ai réalisé que j'ai touché un terrain très fragile, elle m'a dit, moi, je ne veux plus entendre. Avec les pasteurs qui demandent de l'argent, qui mettent de la pression, qui ont une vie qui n'est pas correcte, qui eux-mêmes ont des femmes en dehors, et qui sont là et qui
et qui utilise le peuple de Dieu. Elle m'a donné une liste longue comme ça. Elle ne veut même plus entendre parler de l'Église. Je dis, mais attention, là, là, tu as pris une cuvette, tu as mis un bébé dedans, tu l'as baigné, et ensuite tu as jeté l'eau, la cuvette et l'enfant. Je dis, d'accord, tu jettes l'eau et la cuvette, je veux bien, mais l'enfant, il faut garder. Jésus n'est pas responsable de tout ça. Tu ne peux pas jeter Jésus aussi avec tout le reste. Tu ne peux pas mêler le Seigneur à tout ça. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement le cas de beaucoup qui ont eu des expériences tristes et difficiles dans des églises. Il y a eu des abus sexuels, des abus des jeunes, des abus dans les églises par les pasteurs. On va dire les choses telles qu'elles sont. Malika, c'est ça. Bien sûr. Il y a eu. Où il y a eu tellement d'abus. Je me souviens, dans un programme dans Malika, il y avait un pasteur qui disait, pour être délivré de tes démons, il faut que je te baigne avec du savon dans la douche. Et on sait ce qui suit. Et c'est commun, ces choses-là. Donc, il ne faut pas s'étonner que des gens s'éloignent de l'Église et qu'il y a un manque de confiance dans beaucoup de situations. Et que l'Évangile, que le frère Mickey porte, est là pour restaurer les pasteurs, les emmener à être des modèles et des exemples, et emmener une vie de nouveau dans l'Église, et pas juste une présence, un message qui ne crée rien dans le cœur de l'homme. Amen, amen, amen. On a beaucoup de mains levées là. Pour des... On a... Il y a encore pas mal. Hein. Une dernière question. Oui, la dame devant. Ah, ouf, il y a beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Maman Nika de Brazzaville. C'est plutôt un point de vue que j'aimerais apporter par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je pense qu'en dehors des déboires qui ont été mentionnés, de tout le désordre qui se passe, qui emmène les gens à se refroidir, qui emmène les femmes peut-être à ne pas fréquenter les églises, mais moi, je pense que le problème, c'est d'abord la base. Je pense qu'il y a d'abord un problème de conversion. Parce que pour quelqu'un qui est véritablement sauvé, qui a accepté le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, on ne va pas lui demander, lui forcer de venir à l'église. Je pense que c'est d'abord un problème de conversion. Quand la conversion a été bien réussie et que la personne s'est répandue, je pense que l'intimité avec le Seigneur va emmener cette personne-là à aimer la vie de l'église. On ne va même pas te forcer pour venir à l'église. Mais tu comprendras que j'ai été sauvée pour servir Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés pour le servir, pour l'aimer et pour le servir. Et je pense que ces femmes qui ne viennent pas, en dehors du fait qu'ils ont des occupations, je pense qu'il y a un problème de fardeau. C'est que le fardeau de Dieu n'est pas descendu dans leur cœur. L'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas développée. C'est ce qui fait que ces femmes-là ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Sinon, c'est anormal quand même qu'on soit chrétienne et qu'on passe du temps à travailler. La question est, donc c'est un peu pourquoi se fait-il qu'elles sont dans l'église et qu'elles ne sont pas converties? Il y a un problème? Non, parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, comme vous avez su, comme maman, je vous dis qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas compris pourquoi ils viennent à l'église. Okay. Bah donc, ça revient au message, en fait. Voilà. Quel est le message qui leur a été présenté? Voilà. C'est ça le message, en réalité. Donc, on ne peut pas blâmer la sœur. On ne peut pas blâmer la sœur. Si elle n'est pas convertie, on ne peut pas la blâmer. Par contre, il y a d'autres aussi qui arrivent, qui écoutent le message, mais c'est comme on dit, hein, c'est ce genre de cœur-là que les soucis de la vie... Hein, les soucis de la vie a tellement rempli et qui ne laisse pas la parole de Dieu aussi germer. Je pense que c'est un problème de personnalité aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Merci. Je crois qu'on a eu toutes les questions et c'est super. On n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Hein. Non, c'est fini. C'est fini. On n'a plus. Une dernière. Ok. Une dernière. Excusez-moi si je suis la dernière, je n'ai pas voulu forcer. C'est OK. Je voulais apporter une petite contribution par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Le service du Seigneur. Je veux partager un peu, c'est un peu la vie de l'Église. En réalité, je ne peux pas servir, je ne peux pas dire que je sers le Seigneur seul, ça veut dire que je suis toute seule à vouloir servir le Seigneur.
En réalité, je sers le Seigneur dans le contexte de l'Église. Je ne suis pas seule. Si je ne suis pas seule, ça veut dire que mes besoins de faire quelque chose à l'Église concernent aussi les autres. Je vais dire, par exemple, quand moi j'étais plus jeune, quand j'avais des enfants en bas âge, je voulais bien aller aux réunions. Je voulais bien partager des choses avec les autres. Mais aussi, le Seigneur a mis autour de moi les frères et les sœurs qui veulent faire la même chose. Donc, on se serre les coudes pour servir le Seigneur ensemble. On se serre les coudes pour servir le Seigneur ensemble. Le service du Seigneur, ce n'est pas moi seul, je sers le Seigneur. Or, je sers le Seigneur parce que je suis dans un corps. Je suis avec mes frères et mes sœurs. Si c'est une réunion, nous sommes ensemble. C'est-à-dire que dans ma maison, nous habitions à côté de l'université. J'ai mes jeunes sœurs qui sont étudiantes, qui viennent à la maison parce que bon, quelqu'un n'a pas quelque chose à manger, quelqu'un vient me rendre visite, quelqu'un veut parler avec moi. Et la personne est là, moi j'ai un bébé. Elle dit, maman, je garde le bébé. Ok, tu gardes le bébé, d'accord. Bon, moi je peux garder le bébé. Entre-temps, je lis mes leçons. Mais toi, tu peux aller à la réunion, par exemple. Ou bien, maman, par exemple, moi je peux lui dire, ok, comme toi, tu dois étudier, viens à la maison. Tu vas avoir beaucoup de temps. Et comme ça, tu pourras en même temps, tu pourras lire ta Bible, tu pourras étudier. En fait, l'Église, on ne vit pas seul. On n'est pas seul. Amen. On ne peut pas dire que je vais servir le Seigneur, je suis seule, je fais tout toute seule. Tu parles d'une question de relation, oui, qui existe, les relations qui doit exister. Dans l'Église nous permettent de servir le Seigneur en toute sérénité. Oui. Parce que moi, je peux avoir besoin d'aller parler aux femmes. J'ai aussi d'autres femmes qui ont besoin que quelqu'un d'autre garde les enfants. Donc, on parle, on n'a aucun souci, on est tous d'accord que quand il y a une équipe, que l'équipe sert, mais à aucun moment on peut s'attendre et mettre des pressions et des exigences sur personne. Cela doit venir du cœur. Oui. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on est vraiment reconnaissantes. Vous êtes reconnaissantes, les sœurs? On est vraiment reconnaissante de ce moment béni et on veut vraiment remercier aussi Maman Marie qu'on va laisser regagner sa place. Et là, nous allons commencer le deuxième sujet, mes sœurs. Est-ce que vous êtes prêtes? Nous avons un deuxième sujet qui arrive, qui est la soumission et la liberté de la femme. Et pour ce sujet, nous allons accueillir chaleureusement notre invité spécial que vous connaissez déjà, qui est là parmi nous, c'est Papa Mickey, qu'on va accueillir chaleureusement. On applaudit. Voilà, pour celles qui viennent de nous rejoindre peut-être aussi en ligne, donc vous êtes sur Malaïka, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de la soumission et de la liberté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Avec, bien sûr, Maman Audrey, Maman Janine et Magali. Et Maman Audrey, ce n'est pas un sujet évident? C'est un sujet très, très important. Puisque on ne peut pas séparer, on ne peut pas éliminer la liberté de la vie de quelqu'un. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que c'est un grand prix que Jésus a payé pour notre liberté. Amen, et c'est une telle grâce d'avoir le frère Mickey avec nous, d'avoir Mickey avec nous. Merci beaucoup d'être là. Mon plaisir. On est bénis, et pour tous ceux qui sont en ligne, et de pouvoir entendre le cœur du Seigneur sur ce sujet. Et j'aurais été très heureuse qu'il n'y ait plus beaucoup d'hommes là aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on prie que le message va aller de l'avant. Amen, amen. Et justement, pour ceux qui nous rejoignent et qui sont en ligne, et peut-être qui ne savent pas, que Maman Audrey, Pasteur Mickey, c'est ton époux. Ben oui, Il faut remettre les choses dans le contexte. De tout temps. Voilà. On a célébré nos 50 ans de mariage il y a quelques semaines.
Donc, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de situations, petite parenthèse, hein, oui. Je pense que les voitures, ils ont quatre roues et ils ont une roue de secours. Il y a trop de mariages pour des roues de secours aujourd'hui. Nous, ça fait 50 ans, alléluia. Amen, amen, amen. Et donc, nous allons, avant bien sûr de passer au vif du sujet, nous allons bien sûr avoir Magali qui va nous donner un peu de définition, un peu de contexte. Voilà, un petit peu de contexte, comme d'habitude. Sur ce sujet, la liberté et la soumission de la femme, c'est un sujet délicat quand même, hein. Surtout là où on se trouve, ici en Afrique. Alors, quel est le constat? Eh bien, il y a dans de nombreuses communautés africaines, eh bien, les pratiques culturelles, traditionnelles, influencent énormément, hein, la vie quotidienne, et y compris la manière dont les femmes sont perçues un petit peu dans la société et traitées également dans l'Église. Et ces pratiques culturelles, eh bien, elles affectent la position des femmes, Maman Audrey, dans les églises évangéliques particulièrement. Alors, quel est l'impact de ces pratiques? Eh bien, c'est la structure patriarcale. Hein, c'est un terme qu'on entend souvent, le patriarcat, c'est lorsque l'homme, en fait, domine sur la femme dans différents aspects. Ça peut être dans son foyer, ça peut être à l'Église. Et souvent, ce patriarcat est très fort. L'homme est souvent perçu comme le chef de la famille, le responsable de la prise de décision de la femme dans beaucoup d'aspects, et tandis que la femme, eh bien, elle est souvent reléguée à des rôles domestiques, ménagers, etc. Et cette vision patriarcale n'est pas seulement une question de tradition, mais c'est aussi, ça influence aussi les pratiques dans l'Église, où souvent la femme est écrasée, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas être libre de sortir. Moi, j'ai lu des témoignages de femmes, par exemple, dans des différents forums chrétiens, africains d'ailleurs, hein, où il y a des femmes qui doivent même demander la permission à leur mari pour sortir ou pour acheter, pour aller au marché ou pour faire certaines choses qu'une femme normalement pourrait faire sans forcément demander la permission, mais on en est là quand même, donc c'est pas toujours facile pour la femme. Et puis aussi, comment ça se traduit dans l'Église, particulièrement Papa Mickey, sûrement tu vas nous éclairer dessus, ces pratiques culturelles patriarcales, eh ben, se manifestent aussi dans l'Église, où on justifie cela par le verset qu'on peut trouver dans Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », et c'est souvent utilisé pour justifier cette domination masculine qu'on utilise aussi dans le foyer. Souvent, on n'a pas son mot à dire et on cache, et les femmes cachent vis-à-vis de cela une frustration. Mais comme elles ne peuvent pas s'exprimer, eh bien, elles subissent ça au quotidien. Et c'est très difficile pour la femme de pouvoir donner même son opinion dans la gestion du foyer, dans la gestion des finances, où finalement, la femme subit au quotidien les décisions de l'homme. Et souvent, ça prend des proportions très exagérées. Et c'est souvent aussi véhiculé, Papa Mickey, par les pasteurs, hein, souvent dans leurs prédications, ou encore là aussi, les femmes sont limitées à des rôles subalternes, nettoyage, et on observe un petit peu cette domination masculine, des fois un petit peu macho, je ne sais pas si vous comprenez ce terme, mais macho, c'est un peu, je suis l'homme, et toi, tu es une femme, donc tu dois faire exactement ce que je te dis, chez nous, on et dit... ne pas donner forcément ton avis. C'est ça. Voilà. Chez nous, on dit c'est qui l'homme? C'est qui l'homme, voilà. Qui contrôle? C'est l'homme. Et finalement, la femme est bafouée dans ses droits, entre guillemets, et ne peut pas toujours s'exprimer comme elle devrait. Voilà un petit peu. Merci, merci recherches. Beaucoup, Magali. Donc, on va voir, on va. Un constat assez alarmant. Un constat alarmant, voilà, malheureusement. Donc, on va comparer ce constat avec ce qui se passe, justement, Mama Janine, au Congo, Kinshasa. Il faut savoir qu'au Congo-Kinshasa, la femme, en règle générale, hein, en règle tout à fait générale, elle est soumise par obéissance au Seigneur. Hein. Et pour elle, en règle générale, ça ne va pas poser vraiment un problème. Il n'y a pas d'aveu d'échec d'être soumise. Ce n'est pas comme dans d'autres sociétés occidentales où dès qu'on parle de la soumission, les femmes commencent à avoir le poil qui s'érise sur la tête, etc. Non, non. Dans nos sociétés africaines, en tout cas à Kinshasa, il y a une obéissance. Hein. On sait que c'est un ordre divin et cet ordre divin de la soumission de la femme à l'homme doit être respecté. La femme est éduquée dans cette soumission. Elle est préparée. Les valeurs qui lui ont été transmises, Maman Audrey, par la famille, par la maman, ça va tout converge dans ce sens-là. Hein, donc quand elle arrive dans son foyer, elle arrive avec un consentement et une acceptation de cette soumission au foyer. Et ça ne va pas lui poser un problème a priori. Maintenant, est-ce qu'elle doit dire oui à tout? Et c'est là que commence à se poser la véritable question de la soumission. Est-ce qu'elle doit tout accepter par soumission à son mari?
même si le mari fait des choses qui ne sont pas forcément en accord, notamment avec la parole de Dieu. Et je vais donner juste un exemple qui ne paye pas de mine, mais qui va nous donner déjà un élément pour se rendre compte. J'ai rencontré, lors de mes préparations Malaïka, sur un sujet similaire, une maman, une femme de pasteur, qui me disait que quand elle s'est mariée, donc avec son mari donc pasteur, travaillait, sortait pour aller travailler, pour exercer le ministère, etc. Donc elle s'arrangeait toujours pour préparer la maison, nettoyer, aller au marché, cuire la nourriture, donc de sorte que quand il arrive, tout est prêt. Ok. Donc une fois, ça lui est arrivé de le faire et elle est sortie parce qu'elle avait une amie à voir, ou sa sœur ou sa belle-sœur, que sais-je. Et son mari l'a appelée en lui disant: tu es où là? J'entends que tu es dans la rue, il y a du bruit, tu es où? Alors elle lui explique: non, je suis sortie. Et il dit: mais tu es sortie, mais tu es une femme mariée. C'est un pasteur qui parle. Hein. Tu n'es pas une femme libre. Et tu es sortie, tu parlais tout à l'heure de permission. Ouais. Mais avec la permission de qui? Et elle était un peu... interloquée? Un peu, en fait, non, pas interloquée, mais comme si elle l'a culpabilisée finalement. Parce que bien qu'elle avait tout arrangé à la maison, etc., pour que quand son mari rentre, ben, il trouve les choses, mais le fait qu'elle n'était pas au domicile pendant qu'il l'a appelée, ça a mis une culpabilité en elle. Donc, la question, c'est vraiment de savoir cette soumission, jusqu'où elle va aller, pour ne parler, par exemple, que de cet exemple. Hein. Et peut-être le deuxième exemple que je peux donner dans le cadre de la soumission, c'est bien sûr la question liée à la sexualité du couple, où bien souvent, on sait que les hommes, ils ont quand même une certaine libido qui est beaucoup plus développée que chez la femme, avec tout ce qu'on a dit précédemment, tout ce que la femme est amenée à faire, les responsabilités, les enfants, la popote, etc., etc. Donc souvent, y a une demande d'intimité du mari sur la femme, et parfois la femme est fatiguée. Et quand la femme est fatiguée, ce qui va être dit, tu n'es pas soumise. Soumets-toi parce que ton corps ne t'appartient plus, etc., selon les Écritures. Ouais. Donc jusqu'où cette soumission va aller? Et c'est vraiment la question qu'on peut se poser et qu'on va certainement essayer de répondre ce matin, parce que c'est des questions que les femmes se posent, et notamment les femmes que j'ai pu rencontrer au Congo. Super, merci beaucoup Mama Janine. Justement, on commence avec les questions. Les questions à 1 million de Français CFA, Mama Audrey et Papa Mickey. Alors, que dit la parole de Dieu? On va commencer par le terme de la soumission. Que dit la parole de Dieu au sujet de la soumission? Mama Audrey, Papa Mickey, c'est pour vous deux. On va laisser Papa Mickey répondre à ça. Bon, bien, bonjour à tous. Et donc, moi, j'aime bien ce que Mama Janine a dit, comme quoi que... qu'une femme, dès son enfance, elle est instruite dans le but qu'un jour, si elle se marie, elle sera soumise à son mari. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et j'aime bien l'attitude et la motivation d'entrer dans le mariage avec cette compréhension. Mais le problème, c'est que quand elle se marie, elle souvent fait face à un homme qui, lui, au lieu d'aimer sa femme et de la protéger, de la respecter, il utilise une autorité charnelle. Et le problème réel, c'est qu'il utilise la parole de Dieu pour exercer une autorité, pour l'écraser, pour la détruire finalement. Et comme on parle de liberté, enlever cette liberté que le Seigneur lui a donnée. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans les mariages, dans les couples. Donc, on ne peut pas juste mettre l'accent sur la soumission de la femme sans mettre l'accent sur l'amour que le mari doit avoir pour sa femme. Alors, on ne peut pas séparer ces choses-là. Parce que si on sépare les choses, on devient légaliste. Et on devient légaliste et on va commencer à imposer les choses sur la femme. Et que, bien que la femme,
Maman Janine a dit, elle est conditionnée pour cela, mais le problème, c'est que le mari aussi est conditionné. Lui aussi, que dans sa culture, dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il a vu, dans ce qui était devant ses yeux, il a vu un homme, son père, ben, agir comme ça et lui montrer comment on vit vis-à-vis d'une femme. Parce qu'il est l'autorité de la maison, il est le chef de la famille. Alors, bien que la femme, elle, elle vient avec cette attitude de soumission, le mari vient lui aussi avec cette attitude d'autorité, mais lui, souvent, il prend une autorité charnelle. Il utilise son autorité dans la chair et ne comprend pas que cette autorité est une autorité qui doit être selon Dieu. C'est-à-dire, en même temps, il prend sa responsabilité en tant que mari pour aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Alors, c'est ça qui va emmener cette balance et ne pas emmener un mari qui téléphone à sa femme pour lui demander où tu es, si tu es quelque part, comme si sans, que, sans sa permission, tout doit passer par lui. Mais ça, c'est pas l'autorité que Dieu a donnée, ça. Ça, c'est une autorité qui est emmenée par l'homme, par la culture, parce qu'il a appris, parce qu'il a compris. Et alors ça, c'est dangereux. C'est dangereux et un mari doit comprendre cela. Moi, j'ai compris cela dans ma vie et par... quand ce message de la croix est parvenu à mon cœur et j'ai compris l'autorité que Dieu m'avait donnée, c'était pour aimer ma femme et en même temps la rendre libre et qu'elle vive selon son cœur. Amen. Ben moi, ce que j'aimerais ajouter, pas en contradiction, mais cette compréhension, ce principe qui est inculqué aux enfants depuis leur enfance, c'est dans la maison du chrétien, pareil que dans la maison du non-chrétien, hein. Il n'y a aucune différence. C'est culturel. Ce n'est pas basé sur l'Évangile. Puisque si c'était basé sur l'Évangile, ça aurait été dans l'esprit de l'Évangile. Et le mari n'aurait pas été l'exemple qu'il est dont Mickey parle. Donc ça, c'est un principe culturel qui est peut-être basé sur la Bible, mais culturel. Et donc, ils prennent la Bible à la lettre. Femme, soumets-toi à ton mari. Je ne permets pas que la femme, je ne permets pas ceci, je ne permets pas cela. Et tout cela est fait, ils prennent la parole de Dieu à la lettre et pas dans l'esprit et dans le cœur du Seigneur. Puisque, moi je me pose une question. Je m'appelle Janine, je suis née en 1990, j'ai 21 ans, j'ai toute une vie. Et je me marie. Alors, du jour au lendemain, je fais abstraction de toute ma vie et je commence à vivre selon ce que monsieur veut que je vive. Mais toute ma vie là, qu'est-ce qui s'est passé de toute cette vie là? Je prends ça, je jette dans une poubelle. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que je connaisse le Seigneur m'a formé pour le servir. Il m'a mis dans les postes où j'ai appris le management, la comptabilité, le marketing. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai appris dans ces postes quand je ne connaissais pas le Seigneur, je mets ça au service du Seigneur dans CityMA et dans l'Église, dans ce que je fais pour les animaux, pour les diabétiques, peu importe quoi. Mais imaginez-vous si du jour au lendemain, parce que Mickey, lui, est un ingénieur civil, j'ai besoin de prendre tout ce que j'ai vécu, je mets dans une poubelle. Mais Dieu m'a préparé pendant toutes ces années-là pour le servir. Pour le servir. Mais avec cette culture où la femme, du jour qu'elle se marie, elle devient l'objet de son mari, c'est totalement anti-scripturaire. C'est totalement contre le cœur du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, bon, moi je ne dis pas, en tout cas moi si j'étais africain, je ne me serais pas soumise. Hein. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me dit de faire. Mais non, je n'aurais pas renoncé à toute ma vie du jour au lendemain pour exister selon le désir de mon mari pour moi. Non, mon mari est là, c'est ma protection, c'est un cadeau du Seigneur, des décisions qu'il a prises et qu'on a prises ensemble. Mais il y a des jours où il voulait faire certaines choses, on a parlé, et ça, il m'a dit, oui, tu as raison, parce que j'avais raison. Et c'était la manière que le Seigneur nous conduisait. Parce qu'on partage, on est un couple, on est une équipe. Et c'est sûr qu'il y a des décisions... où j'aurais été dans une direction comme ça, il m'a arrêté, je bénis le Seigneur pour ça, parce que sinon j'aurais été loin là-bas.
Donc, dans les affaires importantes, il est là, mais il ne peut pas décider comment je cuis les haricots, quand même. C'est souvent, c'est ça, justement. C'est ça. Il n'y a pas de communication entre le couple. Ouais. Et puis, finalement, la femme n'a pas ce dialogue avec son mari pour pouvoir exprimer ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle veut vraiment. Vous savez, et je me dis, il y a des perles dans les cœurs de ces femmes-là. Amen. Qui sont bloquées, qui sont... Je ne sais pas moi, statiques, qui sont... Prisonnières. Non, c'est des pères qui ne peuvent pas vivre, qui sont bloqués, qui sont gardés sous un contrôle qui n'est pas le Seigneur. Et après, on s'étonne que les sœurs ne servent pas le Seigneur. Mais ce n'est pas étonnant que les sœurs ne servent pas le Seigneur. Mais justement, Mama Audrey, Papa Mickey, à quoi devrait ressembler la liberté de cette femme? Si on donne quelques exemples, sans bien sûr en faire un principe, mais juste pour donner quelques exemples de cette liberté, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Et aussi cette histoire de permission aussi. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment demander à chaque fois la permission? Mais Mickey a déjà répondu à cette question. Il a déjà dit que c'était logique. Moi, je suis convaincu, comme vous tous du reste, que la parole de Dieu est vraie, que le Seigneur n'a pas fait d'erreur, que ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit être vécu, Amen. Que ce soit la soumission de la femme à son mari, que ce soit la responsabilité du mari d'aimer sa femme. Alors, on peut tourner en rond et écouter 25 témoignages où les femmes ne sont pas libres, où les femmes ne sont pas autorisées à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça, parce que tout va dépendre de ce que le mari comprend, Exactement. De ce que le Seigneur veut de lui en tant qu'un mari. Et c'est ça l'importance. L'importance, c'est d'arriver à vivre l'Évangile selon ce que le Seigneur demande. Et c'est ça que moi, personnellement, j'ai vécu d'une telle manière en tant qu'un mari pendant beaucoup d'années. Mais quand je suis arrivé à comprendre ma responsabilité en tant qu'un mari, ben, j'ai eu à rectifier ma vie, j'ai eu à changer, j'ai eu à faire confiance au Seigneur pour qu'il me change, afin que je puisse aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire lui donner ma vie et d'avoir un cœur où ben, je comprends que le Seigneur met certaines choses dans son cœur. Amen. Et qu'elle doit être libre de pouvoir faire ces choses-là sans que j'intervienne, sans que je sois un obstacle. Oui, un obstacle à sa vie. Alors, il y a tellement de choses que moi-même j'ai appris dans ma vie, que ma femme a initié dans ce que Dieu a mis sur son cœur, que des choses peut-être que je ne pensais pas, des choses que je ne faisais pas, et qui finalement, quand je réalise, me bloquaient moi-même et m'empêchaient d'être libre dans certaines choses que Dieu voulait pour ma vie. Alors, je pense que c'est vrai qu'on peut poser beaucoup de questions et qu'on peut tourner en rond, parler beaucoup de choses, mais la responsabilité d'avoir un couple où le Seigneur est présent et où chacun est libre de faire selon son cœur. Je ne parle pas d'une liberté d'aller faire n'importe quoi, etc., etc. Je parle d'une liberté que le Seigneur nous donne et que la femme... Elle a besoin de vivre cette liberté. Amen. Elle a besoin de vivre cette liberté tant que ben, ce n'est pas des choses folles. Ce n'est pas contre l'Évangile. Ce n'est pas des choses folles qu'elle est en train de faire. Donc, alors, à mon avis, je pense que le gros problème qui existe dans l'Église aujourd'hui, c'est l'incompréhension du rôle du mari envers sa femme. Ça, c'est le point capital. Parce que, comme... Notre sœur vient de dire tout à l'heure, nous parlons de, bien sûr, pour tout le monde qui veut écouter, mais nous sommes dans le système, allons dire, d'Afrique. On parle africain, dans le sens où la femme... Moi, j'aime bien ce que Janine a dit, que la femme, elle entre dans un mariage dans cette attitude-là. Mais le problème réel, c'est le mari. Sa responsabilité, il dépasse, je veux dire bien, d'une manière exagérée, je ne sais pas moi, dangereuse, d'utiliser cette autorité-là.
le chef de la famille. Mais le chef de la famille a une grosse responsabilité. C'est d'emmener la paix, d'emmener une atmosphère dans la maison où tout le monde est content, personne ne se sent écrasé, personne ne se sent diminué. La femme ne doit pas se sentir diminuée ni écrasée, mais l'autorité de la maison, elle est réelle. Il est le chef de la famille, mais en même temps, il comprend sa responsabilité de s'humilier pour pouvoir aimer sa femme et qu'elle puisse exprimer son cœur dans la liberté et faire des choses dans la liberté. Et s'épanouir, et s'épanouir. Et s'épanouir. Donc, le problème dans mon couple, le problème, bon, c'est vrai que chacun a ses problèmes, qu'on entraîne peut-être du passé, mais tout a commencé à se mettre en ordre dans mon foyer quand moi j'ai compris que j'avais besoin d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église et que je ne peux pas utiliser cette autorité que j'ai, que le Seigneur m'a donnée, c'est l'ordre de Dieu, que je ne pouvais pas utiliser ça, allons dire, pour l'écraser ou pour nourrir mon orgueil et tout le reste. Donc c'est là où mon foyer a commencé à changer, quand j'ai pris ma responsabilité et que j'ai compris que le Seigneur m'emmenait à aimer ma femme pas de la même manière que je l'aimais avant. Alors c'est ça qui a rétabli mon foyer, qui a rétabli mon couple. Et aujourd'hui, nous sommes OK, nous sommes bien, on est là, on sert le Seigneur ensemble, c'est merveilleux. Mais ce n'était pas comme ça avant. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Évangile a besoin de venir et ramener un vrai ordre dans la famille. Et moi, je pense que le ministère du mari est plus important que n'importe quel autre ministère. Envers sa femme. Envers sa femme. Oui. N'importe quel autre ministère. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas essayer d'avoir un plan, une vision, d'aller de par le monde et de prêcher l'Évangile si je ne suis pas certain et que je n'ai pas l'assurance dans mon cœur que ma femme est bien dans son cœur, qu'elle fait les choses selon son cœur, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut et j'ai une confiance en elle. J'ai confiance. Amen. J'ai confiance qu'elle va faire les choses parce que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile travaille dans sa vie, fait une œuvre dans son cœur comme dans le mien. Et nous sommes en train de nous rapprocher de plus en plus vers la vérité de l'Évangile. Amen. Dans ma responsabilité et dans sa responsabilité. Donc aussi bien que, je termine un petit peu maintenant moi, aussi bien que j'ai une grosse responsabilité en tant que mari, mais dans le contexte du 21e siècle, peut-être pas en Afrique, mais en général, il y a comme une réclamation de la part de la femme pour pouvoir s'épanouir, mais s'épanouir avec autorité. Et c'est là où le bât blesse. C'est là où est le vrai problème. Et c'est là où, dans l'Église, aujourd'hui, nous voyons des femmes en autorité, nous voyons des femmes qui gèrent les choses, nous voyons des femmes qui, non seulement elles sont en autorité dans l'Église, mais elles emmènent cette autorité dans la maison. Alors c'est là où ça coince finalement et on trouve des gros problèmes. Donc de même que le mari doit s'ajuster, la femme aussi doit s'ajuster et emmener une vraie soumission de cœur. Une soumission de cœur, elle le fait de tout son cœur. Elle comprend sa position, elle comprend l'ordre que le Seigneur a établi dans l'Église et elle a une attitude de soumission envers son mari. Et en général. Amen. Il y a justement une question que j'aimerais poser, Maman Audrey et Papa Mickey, parce que souvent la compréhension de la soumission, c'est, bien qu'on ait entendu tout ça, c'est que c'est une obéissance totale. C'est une obéissance totale. Mais qui a répondu ça? Oui. Mais est-ce que si la femme, par exemple, qui est en train d'entendre ce qu'on est en train de partager, se dit, mais comme Maman Janine disait, je me sens coupable parce que je n'ai pas fait comme mon mari disait, est-ce que la soumission dont on parle de rentrer dans la condamnation, exactement, est-ce que de ne pas obéir, est-ce que c'est forcément qu'elle ne s'est pas soumise? On parle de soumission de cœur, je ne sais pas, j'ai un peu de problème, j'ai un peu de difficulté pour réconcilier tout ça, puisque peut-être aussi que certaines femmes sont appelées à être persécutées
pour vivre la liberté, pour vivre ce que le Seigneur a mis sur leur cœur, avec un mari peut-être dur, peut-être que la peine, je ne sais pas. Mais le fait est que Mickey, non seulement je suis libre, mais il me soutient dans ce que je fais, de même que je soutiens dans ce qu'il fait. Mais un problème que j'ai, moi, c'est encore une fois dans cette compréhension de la soumission qu'on rentre là-là. Ça, j'ai un gros problème avec ça. Puisque ce n'est pas une compréhension biblique. C'est la même compréhension que la fille rentre dans le sens chez une créature de deuxième rang. Tu as moins d'importance que ton frère. Ton frère, lui, il est le boss, il est appelé à régner, mais toi, tu es une personne de deuxième classe. Ton frère va à l'école, mais toi, tu ne vas pas à l'école, tu n'as pas d'argent, toi, tu vas faire les tâches domestiques. C'est-à-dire que cette fille qui rentre dans le mariage avec cette préparation de soumission, c'est une fausse préparation. Ce n'est pas une préparation de cœur, c'est une préparation de culture. Où on a imposé ça à l'enfant, où dès son enfance, elle est une personne, la fille est de second grade. Elle n'a aucun droit. Totalement d'accord. Là, je suis d'accord. C'est ça la culture. Et le garçon qui grandit à côté d'elle, même qu'il a 5 ans et qu'elle a 10 ans, il a le droit sur elle. Il ne respecte pas sa sœur, puisque c'est la culture. Mais dans un foyer chrétien, mes enfants sont rentrés dans la compréhension de la soumission, elles ont toujours su, mais dans l'esprit de l'Évangile. C'est différent. Et c'est pour ça que moi, je veux encourager les femmes qui sont ici. Si vous encouragez vos enfants dans les maisons et que vous encouragez l'excision et que vous encouragez l'application de la culture, excusez-moi, c'est une abomination devant le Seigneur. Vous n'êtes pas là pour éduquer vos enfants dans l'esprit de la culture. Vous êtes là pour... Puisque on sait, je vais aller plus loin, on sait que la soumission de la fille dans laquelle elle rentre dans le mariage, c'est que l'acte sexuel est uniquement pour la jouissance du mari. Et elle n'a pas droit à cette jouissance. C'est pour cela même qu'elles sont excisées, qu'elles sont coupées, qu'elles sont mutilées, pour la bonne et sainte raison que la jouissance sexuelle, elle ne revient qu'au mari. Et c'est dans cet esprit qu'elle rentre dans le mariage, dans cette soumission. Ce n'est pas dans l'esprit du Seigneur, dans un cœur libre, où je respecte mon mari, ce n'est pas ça du tout. C'est un esprit de culture. Et il faut faire très attention que vous n'éduquez pas vos filles dans cet esprit. Et que vous n'approuvez pas le mariage où le mari domine tout, vous traite comme une savate ou vous traite comme une esclave et que ce n'est pas l'esprit que vous approuvez dans votre ménage et que votre enfant ne grandit pas en sachant que ça c'est normal et c'est bon et c'est de Dieu. Alors allons mettre une balance, quand je veux dire une balance, allons mettre un équilibre que la parole de Dieu va emmener. C'est ça qui est important. On peut avoir une opinion, il n'y a pas de problème. Mais je comprends ce que la sœur Audrey veut dire, mais c'est à la responsabilité des parents chrétiens d'élever leurs enfants selon la parole de Dieu. C'est la responsabilité des parents. C'est eux qui vont faire les enfants, et les enfants, c'est une grosse responsabilité. Et en tant que chrétiens, ils doivent s'aligner avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle va défier, elle pourra être contraire et l'opposé de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu, de ce qu'on a appris. Mais il faut que nous prenions la responsabilité en tant que mari et femme d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Et ne pas les laisser être influencés par les parents, les beaux-parents, les grands-parents, les ancêtres ou quoi que ce soit. Le village. Il faut être clair. Et il faut être déterminé à ce que nos enfants grandissent dans la connaissance de la parole Amen. De Dieu, selon la parole de Dieu. Mais bien que cela soit clair pour nous tous, moi je veux vous lire un texte qui est dans 1 Pierre chapitre 3. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse.
Ayez non cette parure extérieure, etc., etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que une femme chrétienne qui comprend sa place dans le foyer et la parole de Dieu, elle est claire. La soumission à son mari, en dehors de ce que, allons dire, en dehors de la parole de Dieu, ça c'est une autre histoire. En dehors de la parole de Dieu. Mais à part de cela, ben, encore une fois, on vient dire, le mari doit comprendre aussi sa responsabilité. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui a la responsabilité de transmettre un message aux maris comme aux femmes. Et que chacun prenne leurs responsabilités. Mais le problème, c'est que ce genre de choses n'est jamais communiqué à l'Église. L'Église n'est pas au courant. On parle de toutes sortes de choses, mais le vrai problème, c'est que la parole de Dieu n'est pas annoncée et n'est pas mise en pratique dans les foyers. Et maintenant, chacun prend sa position. Le mari prend sa position. La culture. La femme, elle dit, non, moi, je ne vais pas me soumettre à ça, etc., etc. Et donc, il y a eu vraiment dans le passé, la femme qui réclame ses droits, qui réclame, et tout ça, il faut faire attention. Il faut faire attention de l'attitude qu'on a vis-à-vis de ces choses-là. Il n'y a pas de problème de vouloir exercer ses droits. C'est normal. Mais il faut avoir au-dessus de ça, une attitude dans nos cœurs, qu'on n'est pas en train de réclamer des choses comme le monde est en train de réclamer. Alors ça, c'est une ligne fine où l'Église traverse cette ligne-là très, très facilement. Et nous avons besoin de bien faire attention à cela. Oui, mais la parole de Dieu, elle est claire. On ne discute pas là-dessus. La parole de Dieu est claire. Mais il faut faire très attention qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique dans l'esprit de la culture. C'est ça le problème. Puisque la parole de Dieu, on est tous d'accord. Mais on sait, comme les pharisiens, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous enseignez vos traditions plus que ma parole. C'est ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens. Et c'est de faire très attention que dans nos maisons, ce n'est pas la culture qui est vécue. On ne vit pas la culture, on vit l'Évangile. Amen. C'est ça qui est important. Puisque, encore une fois, que la petite fille ne rentre pas dans le mariage. Pour moi, j'ai une image qui m'est venue. Pour moi, aujourd'hui, la fille qui se marie en Afrique, c'est exactement l'oiseau. Vous savez, quand vous achetez un oiseau et que vous le mettez libre dans votre maison, on coupe ses ailes pour qu'il ne puisse pas s'envoler. Ben, moi, c'est le cas de la fille africaine. La minute qu'elle rentre dans ce foyer, on lui coupe les ailes. Elle n'a pas de problème de se soumettre, mais elle se soumet selon la culture. C'est pour ça que quand son mari l'appelle et lui dit « tu n'aurais pas dû sortir de la maison », elle est condamnée. Parce qu'elle est rentrée dans la culture, pas dans l'Évangile. Puisque si elle était dans l'Évangile, elle n'aurait pas été condamnée. Pourquoi elle serait condamnée? Elle aurait dit « mais enfin mon chéri, c'est normal, je sors, je vais voir ma belle-sœur. » Et où est le problème? Elle aurait été libre de dire ça à son mari de la bonne manière. Mais pourquoi, où est le problème? Mais je suis dans la rue, en effet, je suis en train d'aller voir sa sœur qui a besoin de moi. Et où est le problème? Mais le problème, c'est que tout ça n'est pas réglé avant le mariage. Toutes ces casseroles n'ont pas été dévidées avant le mariage. Et tout est réservé pour, plus on est déjà conditionné pour ça. Conditionné. Et faites très attention que dans votre couple, votre petite fille de 5 ans, de 6 ans, n'est pas conditionnée à cela. Puisque c'est comme ça que les petites filles sont violées et abusées par leur papa. Et quand on parle de ça à la maman, elle ne peut rien faire puisqu'elle protège le papa. C'est la culture. C'est la culture. Quand il y a des viols, il y a des abus, il y a des violences, on ne fait rien parce que c'est la culture. Donc, où notre foyer est un foyer chrétien, et cette soumission est selon la parole de Dieu, mais le verset 24, « Femmes, soumettez-vous à vos maris », ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a le verset qui suit. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, comme le frère Mickey a dit, et il s'est livré en sacrifice pour elles. » La Bible, il n'y a pas que ce verset-là, il y a le verset qui suit. Donc, moi, je crois que c'est un grand défi pour vous, les femmes chrétiennes,
de vous battre dans le bon esprit pour emmener, si votre mari traite votre fille mal, c'est de dire, mon chéri, je suis désolée, ce que tu as fait n'est pas correct. La petite fille n'est pas plus inférieure que son frère. Oui, mais le problème, là, je suis bien d'accord avec toi, mais le problème, c'est que les maris ne comprennent pas cela. Oui, ben voilà. C'est pourquoi que l'Église a besoin d'entrer dans le jeu, et l'Église a besoin de prêcher la parole de Dieu dans toute son intégralité, afin que le mari comprenne clairement sa responsabilité et que la femme comprenne sa responsabilité. Mais en attendant maintenant, si le mari, lui, ne veut pas prendre sa responsabilité, ah ben là, il y a le problème. Mais quand on est dans l'Église et qu'on écoute la parole de Dieu, nous sommes supposés de nous soumettre, d'obéir à la parole de Dieu et pour créer un foyer, une famille en ordre. Oui, mais je suis d'accord. Le temps mais nous quand est même, compté, Maman Audrey, un dernier mot pour terminer. Oui, mais quand même, la femme est appelée à prendre une position pour défendre l'Évangile. Dans ta maison, si tu as passé une claque à ta fille et que tu n'aurais pas dû, excuse-moi, tu as mal fait, tu dois lui demander pardon maintenant, qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est le Seigneur de le convaincre maintenant. Mais elle doit être une voix dans sa maison pour l'Évangile. Mm. Pour dire, ça, c'est pas correct, ce que tu as fait là n'est pas bien. Amen. Ce que tu m'as dit au téléphone. Ça, c'est normal. Voilà, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Maman Audrey, pour ça. Et je crois que le peuple de Dieu est encouragé. Et justement, on parlait de cet Évangile qu'on n'entend pas souvent. Et on aimerait vraiment encourager tous ceux qui nous suivent, et vous aussi qui êtes là, dans la salle, à télécharger l'application de CTMI, www.ctmi.app, pour pouvoir... La régie peut mettre ça sur l'écran. Oui, si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la slide avec l'application de CTMI App, pour pouvoir avoir tous les messages dont on est en train de parler, qui, justement, on vient de confirmer, qui manquent dans nos églises africaines. Et donc, je veux, pour terminer, pour mon mot de la fin, dire, je vous encourage à être le premier témoin dans votre maison de l'Évangile que vous entendez ici. Et à prendre une position dans le bon esprit, mais à prendre le courage de lever votre voix, je ne veux pas dire crier, d'oser parler, voilà. Oser parler et dire devant vos enfants de la bonne manière, mais que mon garçon, toi, tu n'es pas le roi. Je suis désolée, tu es pareil comme ta sœur. Il faut emmener l'Évangile dans la maison et vous êtes la première personne sur qui le Seigneur compte pour emmener l'Évangile à l'oreille de votre mari. Amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Et bien sûr, merci beaucoup, Papa Mickey. Et nous allons commencer justement dès maintenant notre session de questions-réponses. Comme vous savez, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Donc si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, levez la main et on va prendre quelques questions à partir de maintenant. Nous avons une question. Bonjour, je suis un étranger, personne ne me connaît. L'apôtre de l'Afrique. Voilà. Ce que je voulais dire, le frère Mickey a partagé sur le verset de Pierre 3. Comment la femme doit être, etc. Mais nous avons aussi une réalité qui vient de la culture, de l'histoire, de machin, où les maris sont complètement insensibles à ce que ce passage de la Bible que tu as cité. Donc, quelle est la position de la femme d'un mari qui, on peut dire, peut-être inconverti, dans le sens qu'il ne comprend pas son papa, il n'est pas engagé. Comment est-ce que la femme vit avec ça d'une manière journalière? Tu sais, Gilbert, c'est une situation très conflictuelle, une situation bien, bien difficile. Et je pense que chaque situation est différente et que cette femme, elle doit ressentir qu'est-ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse catégorique là-dessus. Mais je pense que la femme doit, dans la circonstance qu'elle vit, chercher le Seigneur et comment elle doit agir ou réagir ou parler ou qu'importe ce que le Seigneur lui demandera de faire. Donc je pense que c'est difficile parce qu'on ne connaît pas jusqu'où ça va. On ne connaît pas la limite de... Chaque situation est différente. Oui, chaque situation est différente. Donc que les femmes puissent ressentir ce que le Seigneur veut pour elle, dans chaque situation particulière. Et bien sûr, dedans, je ne sais pas si vous avez, bien sûr, le conseil
de vos anciens, de vos pasteurs ou quoi. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à aider, nous sommes prêts à vous soutenir, nous sommes prêts à répondre à vos questions, nous sommes prêts à tout, il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas évident. Ce n'est pas évident pour une femme de vivre ces choses-là. Et je peux comprendre, mais que le Seigneur puisse aider chacune d'entre vous. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à Gilbert. Une autre question, oui, je vois le monsieur derrière. Les autres, je vous encourage, préparez vos questions, comme ça, quand le micro passe, vous pouvez l'avoir. Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Garcia, de Pointe-Noire. Et je voulais revenir sur l'autorité charnelle que le pasteur Mickey vient de soulever dans 1 Pierre 3. Mais il se passe un contexte ici, en Afrique, et que beaucoup de nos jeunes sœurs ou femmes mariées écoutent beaucoup plus les pasteurs que leur mari. Et cela crée des stabilités et des compréhensions. Quelle est la ligne à conduite? C'est une bonne question. Ok, très bien. Mais lequel d'entre tous les deux, transporte ce que la parole de Dieu dit? Alors, il ne faut pas juste catégoriser et de dire, ah ben, le pasteur parle comme ça, le mari parle comme ça, mais qu'est-ce que le mari parle et qu'est-ce que le pasteur parle? Il faut savoir lequel d'entre eux dit quoi selon la parole de Dieu. Il faut savoir entre les deux. Donc, encore une fois, c'est la parole de Dieu qui va trancher. Ça dépend lequel d'entre les deux emmène la vérité de la parole de Dieu. Et après aussi, j'aimerais ajouter, est-ce que ce mari, qui n'écoute pas, donne sa vie pour elle, l'aide, la soutient, et l'encourage, et la sert, et comme Jésus a demandé. C'est tout un enseignement biblique, c'est toute une direction selon la parole de Dieu que les maris, les femmes doivent vraiment entendre et comprendre leurs responsabilités. Parce que Dieu n'a pas fait d'erreur. C'est sûr que moi, mon cas personnellement, je dois dire que Mickey, même avant le message, je crois, c'est pas quelqu'un qui me dominait, puisque je suis pas facile à dominer. Vous avez dû vous rendre compte. C'est pas quelqu'un qui me dominait ou quoi. Jamais c'était le cas. Mais il n'avait pas, je ne ressentais pas le cœur du Seigneur. Voilà. Il était mon mari et mon pasteur, donc c'était difficile de pas écouter le mari et le pasteur. Mais je trouvais mes chemins moi, à ma façon. Mais c'est sûr que j'avais beaucoup de difficultés à me soumettre à lui, puisque je ne ressentais pas le cœur du Seigneur. Même que ça lui arrivait de me dire pardon, mais c'était de la lèvre. Mais la seule grande différence que ça fait, c'est que quand un jour, je me souviens, on a eu une dispute, une des nombreuses, on a eu une dispute et il est parti à son travail et moi je suis restée dans l'état où j'étais et il est revenu. Et pour la première fois de ma vie et de notre couple, il m'a demandé pardon, mais j'ai ressenti son cœur. Et je n'ai pas eu aucun problème à pardonner puisque j'ai ressenti son cœur. Et c'est ça qui m'a aidée à vouloir me soumettre. Puisque moi, j'ai l'âge de 15 ans, je suis la sixième de ma famille, la dernière, je suis née de manière un peu étrange, césarienne dans cette époque-là, puisque normalement, tu as l'enfant et le placenta, moi c'était le placenta et l'enfant, il fallait que le placenta naisse avant moi, mais je ne pouvais pas naître, mais je suis venue au monde. Et quand à l'âge de 14 ans, j'ai perdu mon papa, ben là, il n'y avait plus de chef chez moi. J'avais trois grands frères, et je n'allais pas me soumettre à mes trois grands frères, ni à personne. Et donc, j'ai grandi dans cet état de rébellion. Et donc, de me soumettre à Mickey, en plus, Mickey était assez doux, et ce n'est pas quelqu'un qui exigeait sur moi, mais je ne ressentais pas son cœur. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'adapter, et j'ai voulu permettre au Seigneur de faire une œuvre en moi pour que je me soumette et que je le respecte. Et en plus, la manière qu'on est venu dans le ministère, c'était à l'époque charismatique, et on était femme et mari pasteur.
Donc, on partageait le ministère. Donc, il n'y avait pas une question de soumission, là. Lui, il enseignait, moi, j'enseignais, je priais, je jouais la guitare, je jouais la louange, je priais pour les malades, je faisais tout. Et parfois, je faisais mieux que lui. Tu es d'accord? Surtout les chants. Bon. Ce que je veux dire... Allez, je vais préciser. Je vais préciser. Je faisais la louange, je ne pouvais pas faire. Tu es d'accord? Tu ne pouvais pas faire louange. La louange, je te donne. Ah ben voilà. Donc, la louange, je jouais la guitare, beaucoup de choses que je faisais qu'il ne pouvait pas faire. Donc, je trouvais que je faisais mieux. Je trouvais que je faisais mieux. Bon, alors ceci dit, donc c'était difficile avec ce message de se soumettre. C'était bien difficile de se soumettre à ce message. Moi, je parle naturellement. Lui, ce n'est pas naturel chez lui de parler. C'est un don que le Seigneur fait quand il faut parler. Mais sinon, il ne parle pas du tout. Alors, donc, c'est juste pour vous dire que ce n'était pas évident, ni avec l'enseignement qu'on avait, ni avec mon passé, ni avec ce que je suis, ni avec ce que j'ai vécu. Mais il n'y a qu'une chose qui a réussi à me gagner. C'est le cœur du Seigneur. Tu sais, la Bible dit, il nous tire avec des cordages d'amour pour parler à notre cœur. Et c'est ça qui a gagné. Et si les maris pensent qu'ils vont gagner le cœur de leur femme en imposant des lois, des principes, en étant un dictateur, ils perdent leur temps. La soumission va être un principe, ça va être difficile, mais c'est tellement différent si le cœur du Seigneur est dans le coup. Amen, amen, merci. Alors moi, je veux ajouter, sans décrire sa vie, et ce qu'elle est, mais pour que ça marche, c'est très bien ce qu'elle a dit concernant cette expérience. Je me souviens très bien de cette expérience, parce que ce n'était pas très facile, c'était très dur. Mais je pense que ce qui a été le point tournant dans ce qui s'est passé dans nos vies, c'est le message de l'Évangile. Parce que c'est ce message qui vient, allons dire, convaincre, appuyer, confirmer le chemin qu'on veut prendre. Donc c'est pourquoi sans l'Évangile, sans le vrai message de Christ, ben, ça va nulle part et le problème demeure dans l'Église. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'Évangile, la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu, mais le vrai Évangile, pas n'importe lequel, le vrai Évangile, c'est ça la solution. Amen, 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 amen. Et nous continuons notre session réponse, question-réponse. Alors, on a une autre question. Oui, je vois la dame. Merci, madame. Une question au fond. Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, comme ça, on comprendra mieux votre question. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Marina, épouse de serviteur de Dieu de la place, Congo-Brazzaville. Je viens dire d'abord merci au plateau parce que nous avons été fortement édifiés sur tout ce qui a été dit. J'ai une expérience par rapport à certaines nations que j'ai côtoyées dans le cadre du travail, que ce soit les États-Unis, la France et j'en passe. Et même ici, en Afrique, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, du Centre et autres. Je prends particulièrement le cas du Congo, qui est un cas où j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine-là de la femme plus ou moins asservie, je veux dire. Je crois qu'il faut qu'on fasse une petite différence parce qu'il y a des gens qui confondent l'autorité, la domination et la soumission. Amen. Si j'ai de l'amour, pour moi, c'est logique que je puisse me soumettre. Simplement. Mon mari n'a pas d'amour, et bien moi, je crois que je suis une femme chrétienne et enseignée. Je fléchis les genoux, je prie le Seigneur qu'il me remplisse davantage d'amour pour que je lui en témoigne afin que lui aussi change. Il y a une réciprocité. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est une petite contribution, hein, je m'excuse que j'apporte par rapport à l'expérience que j'ai eue. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit mouvement de... J'ai du mal à trouver le mot. En Afrique, chez nous ici, un petit peu... C'est un petit peu semblable à une petite rébellion. Hein. C'est-à-dire que la femme, à un moment donné, sous des prétextes d'émancipation, a voulu un peu comme écraser l'homme. Et c'est parti du monde, je précise, et c'est entré jusque dans l'Église. Exactement. Et ça a affecté les foyers, ça a détruit les foyers, parce que la femme a pris le langage du « tu dis, je dis, tu fais, je fais, tu sors, je sors ». J'en parle parce que
j'ai moi-même failli vivre ces choses dans mon foyer à cause du travail que j'exerçais et de ma formation de comptable. J'ai voulu à un moment donné transposer ma profession dans mon foyer et mon rôle du travail dans ma maison, au point d'oublier même mes tâches en tant qu'épouse, au point de revendiquer le repos au moment où mon époux avait besoin de moi, sous des prétextes que j'avais trop travaillé et que je n'avais plus assez de temps pour lui. Est-ce que la femme est l'aide du mari ou est-ce que c'est le mari qui est l'aide de la femme? On risque de renverser les rôles. C'est ma petite peur. Il est vrai que les cultures étrangères ont déjà acquis ça et elles ont fonctionné comme ça sur des temps. Et je reviens sur ce que ma sœur a dit en robe verte. Je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom, que cela ne vous offense pas, parce que je suis arrivée après. La femme chez nous en Afrique, en général, est éduquée pour aller au foyer afin d'être une véritable aide pour son époux. D'abord. Or, avec le 21e siècle, les filles que nous élevons aujourd'hui, nous les femmes, nous ne les préparons pas pour aller dans le foyer comme des femmes épouses aides, mais plutôt comme des femmes qui ont étudié et qui ont leur diplôme à faire valoir. Et c'est là le problème avec les hommes. Je m'excuse pour le temps que je prends, il paraît être passionné, mais c'est une réalité dont on ne parle pas souvent. Et j'ai rencontré ça même dans le suivi des femmes, j'ai rencontré ça même dans mon milieu de service. Une de mes collègues qui était colonel, j'en passe et tout, qui a voulu faire valoir son titre de colonel sur son époux. Et je l'ai aidée à comprendre que si elle mettait un peu d'eau dans son vin et qu'elle comprenait son rôle exact d'épouse, son époux ne s'opposerait pas à elle, mais jouerait aussi son rôle d'amour. Où est la place de la femme? Quel est le rôle qu'elle joue si elle n'est pas capable en tant que chrétienne de fléchir le genou pour que cet époux dont elle parle comme étant un homme diabolique puisse changer puisqu'elle l'a accepté comme mari. Si seulement elle est mariée aussi. Parce que là, il y a aussi une différence entre se mettre en couple, se mettre avec quelqu'un et se marier. Je m'excuse que je n'offense personne et je cache mon alliance. Ce n'est pas parce que je l'ai portée. Mais j'ai fait les mêmes erreurs par le passé. Et j'ai compris aujourd'hui. Et ça, j'aimerais que mes sœurs le comprennent aussi. Parce que sous des prétextes d'émancipation, on risque de perdre l'essentiel du foyer. On ne devient plus une aide pour son époux, mais une égale. Je suis pour la parité, mais pas pour l'égalité dans ce domaine-là, parce que je ne serai jamais mon mari et il ne sera jamais moi sa femme. À moins qu'on entre dans le domaine de ce qu'on fait aujourd'hui, on change de sexe, on se fait appeler femme quand on est homme, et Dieu seul sait ce qui s'ensuit. Il me montre de l'amour, il n'en a pas parce qu'il n'en a pas reçu quand il était petit, peut-être, parce qu'il a grandi avec des parents autoritaires, et bien moi, je dois fléchir les genoux, demander au Seigneur de me donner assez de force, de me remplir d'esprit pour que je prie, pour que mon époux qui n'a pas reçu ce que moi j'ai reçu, reçoive à travers moi ce que moi j'ai reçu quand j'étais enfant. C'est ma modeste contribution. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci ma sœur. Est-ce que... Moi, si j'ai à mentionner quelque chose, je comprends ce que notre sœur est en train de dire parce qu'il y a, encore une fois, dans ce 21e siècle, ce désir et cette vision de l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité dans le sens que le Seigneur nous voit en tant que ses enfants de la même manière, on a la même part au salut, etc. Mais ce que le monde veut emmener, c'est une égalité même au niveau de l'autorité. Et c'est ça, je pense, je le dis toujours, je ne dis pas simplement parce que la sœur lui l'a dit, mais c'est clair qu'il y a aussi cet esprit de compétition, de rivalité au niveau de l'autorité de la femme dans la maison. Alors c'est pourquoi il faut l'équilibre, et la seule chose qui peut emmener l'équilibre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit se référer à la parole de Dieu,
et ne pas exprimer ce que moi je veux, ce que moi j'aurais fait, moi j'accepte ça, moi j'accepte pas ça, mais encore une fois, il nous faut nous tourner vers la parole de Dieu. Et que le mari puisse comprendre sa responsabilité et que la femme, je viens de lire un texte clair et net tout à l'heure concernant la femme et sa responsabilité vis-à-vis d'un mari qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, qui se rebelle contre la parole de Dieu, qu'importe quoi. Mais c'est pourquoi, au fait, dans la situation, il y a la parole de Dieu et dans certaines circonstances, il y a ce que le Seigneur met sur notre cœur en même temps pour pouvoir faire face à toutes ces situations. Donc voilà un petit peu, je pense que la parole de Dieu doit primer sur toute chose. Et encore une fois, moi j'ajouterais que oui, Sarah appelait son mari Seigneur, mais Abraham était quelqu'un de digne de ce respect et de ce sentiment. Le respect ne se gagne pas par obligation. Je crois que plus un homme est un homme de Dieu et plus un homme transporte quelque chose de la part du Seigneur, ça aide énormément à la femme d'avoir un respect pour lui. C'est difficile d'avoir un respect pour un homme qui est brutal, qui est autoritaire, qui est dictateur. Et moi, je ne comprends pas de plier mon genou dans une telle situation. Je parle d'une attitude de mon cœur qui ne se rebelle pas, qui prend son mal en cause, qui crie au Seigneur, mais je ne peux pas forcer du respect par principe. Et d'éduquer nos enfants, on retourne au même point. On n'a pas parlé d'éduquer nos enfants dans le sens des diplômes, mais je suis pour encourager l'éducation à 100%, mais on revient à la base. On doit faire grandir nos familles dans l'esprit de l'Évangile. Et l'esprit de l'Évangile parle de la soumission, parle du rôle de la femme, parle de l'autorité du papa, parle du rôle du papa, parle de comment il doit aimer sa femme. Tout ça, c'est l'Évangile. Donc, on ne parle pas d'éduquer dans l'égalité, on ne parle pas d'éduquer dans une émancipation prématurée, on ne parle pas de ça. On parle qu'on encourage la femme à respecter son mari, mais quand même à prendre une position pour l'Évangile, parce qu'il y a des enfants qui grandissent dans la maison, et qui voient un papa autoritaire, et qui voient un papa dictateur, et comme Mickey a dit, ils vont être comme ça plus tard. Donc il y a quand même un élément où la femme doit jouer son rôle. C'est sûr qu'elle aime son mari, mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariées par amour, hein. On va le dire carrément, hein. Beaucoup sont mariées pour quitter la maison, elles vivent un enfer, il y a beaucoup de raisons qui font pour chercher une autonomie financière, il y a beaucoup de raisons qui font qu'une femme se marie. Mais le fait est que on doit rester dans le cadre de l'Évangile. Voilà. Papa Mickey veut on doit rester dans le cadre de l'Évangile. Et le mari aussi doit rester dans le cadre de l'Évangile. S'il s'attend à ce que sa femme se soumet entièrement à lui, le respecte, l'aime et le voit comme le chef de la famille. On ne va pas répéter les mêmes choses. On ne va pas répéter les mêmes choses. Mais une chose est claire. Et j'ai lu ce texte tout à l'heure parce que la parole de Dieu nous dit clairement que la femme... que le mari, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, c'est comme le pardon. Si demain matin, ma femme a un problème et qu'elle elle m'a offensé d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas, moi, attendre qu'elle se repente pour que je lui pardonne. D'accord ? C'est pourquoi moi, je ne peux pas vivre selon ce que ma femme décide de faire, si elle décide de se repentir ou pas se repentir. Ça, je laisse ça pour le Seigneur. Mais moi, je fais ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire de pardonner. Donc, la même chose, je pense que la parole de Dieu est claire. L'apôtre Pierre dit que la femme doit avoir cette attitude chaste et respectueuse. Alors, on ne peut pas changer... On ne peut pas changer ça et dire que ça dépend comment mon mari est. Non, ça ne dépend pas de ce que mon mari est, de la manière qu'il est, etc. Mais la femme doit avoir cette attitude chaste et respectueuse envers lui et de continuer à prier et
Pierre est clair, il dit que de cette manière-là, qu'elle pourra gagner son mari. Donc tout ça, ça dépend d'une vraie attitude qui doit régner au fait dans la femme, dans le foyer, dans la vie du mari, dans la vie de la femme. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Miki. On va passer à la prochaine question. Une seconde. Dans quelles circonstances, je vois pas, que Paul dit, mais femme, si tu sauveras ton mari. Ah, c'est un sujet de mariage. Super, merci beaucoup. On va passer à une autre question. S'il y a une autre question, si quelqu'un a une autre question, oui, n'hésitez pas, hein, levez la main, le micro va passer. Pas de questions ? Si c'est clair ? Ok, bah ça semble d'être clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci beaucoup, Papa Miki. On a fini ? Au plaisir. Nous sommes vraiment ravis d'avoir été avec nous. Et bien sûr, on remercie Maman Janine et Magali. Merci, et bien sûr, notre première invitée, Maman Marie, qui était là. Et on remercie tout chaleureusement le pasteur Miki Hardy d'être avec nous aujourd'hui. Parce qu'en plus, il a deux réunions ce soir. Exactement. Et il est là parmi nous et on remercie tous les internautes. Exactement. Partagez, likez. C'est ça. Donc, si vous nous avez suivis aujourd'hui, nous vous remercions vraiment. Vous nous avez suivis en ligne, en direct. Et bien sûr, tous ceux qui sont dans la salle, vous avez été bénis. On espère que ça vous a aidé. Amen, amen. Et nous vous encourageons à vraiment visiter la page YouTube ou Facebook ou même Instagram de Malaïka pour avoir tous les autres programmes. Nous avons une nouvelle saison de Malaïka qui arrive bientôt. Alors, abonnez-vous à la page, à toutes les pages que vous pouvez pour être les premiers informés des premières publications de Malaïka. Et bien sûr, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et Maman Audrey, on leur dit à la prochaine fois. À très bientôt. Amen, amen, amen. En attendant, restez connectés. On reste ensemble connectés et on grandit ensemble. Amen. 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 Merci beaucoup.